Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Eh bien, 27 personnes, c'est bien, ça fait du monde. Peut-être attendre quelques minutes supplémentaires que les derniers arrivants nous rejoignent. Hop, voilà. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour. 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 Pas sûr que vous m'entendiez d'ailleurs. On vous entend. Ah bon, ouais, ça va alors. J'avais eu un problème de micro pendant un temps. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, on vous Bon. entend. Yes, ça y est, j'ai réussi. Et on vous Bonjour tout le voit, monde. Corinne, enchantée. Bonjour, enchantée. Bonjour. Soupir. Mais toi, tu peux tout regarder, là? Ça? Non, je ne le vois pas. Bonjour à tous, hein. On attend encore deux, trois minutes le temps que les derniers arrivent. Et puis ensuite, on démarrera tranquillement. Si vous avez des problèmes de son, alors voilà, je vois Romain, j'espère que ça s'est résolu. Monsieur Burger également. Qui peut voir les messages? Qu'est-ce que c'est ça? Nous, on vous entend très bien. Est-ce que tu veux Bonjour. la même chose? Bonjour. Nous vous entendons bien aussi. Merci. Pourquoi j'ai pas le nom? Oui, donc, pour poser des questions, vous pouvez utiliser l'outil de communication écrit. Donc c'est Ah, discuter, d'accord. c'est en haut à droite. Alors bien sûr, après, on va faire des échanges aussi au micro pour les questions et les réponses qui demandent d'aller un peu plus en profondeur. Mais c'est vrai que pendant les présentations, voilà, si vous avez des petites questions à ne pas perdre de tête et de vue, les poser à l'écrit avec c'est l'onglet discuter. Donc c'est juste à côté de quitter la discussion. Il y a des trois petits points plus. Ou alors vous avez directement le petit logo, la petite bulle, comme une bulle de BD pour discuter. Et puis là, on peut taper, on peut échanger à l'écrit. Ça permettra de ne pas trop couper les intervenants, les témoignages aussi. Et après les échanges, on pourra passer au micro s'il y en a qui ont des questions. Et qui demande de détailler un peu plus. Voilà. Christopher, si jamais je veux que tu parles, ton micro est désactivé, donc. Alors j'avais coupé mon micro pour discuter avec Alexandra. Voilà. Ah, c'est embêtant. On a juste un tout petit souci de message avec Alexandra. Ouais, je vois pas les messages de tout le monde, moi, en fait. Vous, Alan et Louis, vous voyez les messages de Monsieur Burger, de Corinne? Alors non, Ah. je n'étais pas sur le bon truc. Non, ben on est sur le bon truc, je pense, mais Christopher, on doit être un Moi, je peu. vois juste le mien, le message, hein. Ouais, d'accord. S'ils sont envoyés à tout le monde, en fait, normalement, vous devez tous les voir. Il faut juste être sûr que quand vous envoyez vos messages, vous ayez bien Je sélectionné vais à sauter. tous. Ah, d'accord. D'accord. Donc, en fait, en bas, il y a trois petits points tout en bas du chat. Et du coup, on peut sélectionner, les participants peuvent discuter avec tout le monde. C'est chat de groupe de la réunion. Chat de groupe de Voilà, la c'est réunion, c'est ça. ça? C'est bien ça. Wow, qui peut Je voir. pense que c'est bon. Ouais, je vois test 2. Voilà. Ouais, moi aussi. Ah, chat de groupe, ça y est, ça apparaît. Voilà. Cool. Merci. Corinne, vous pouvez juste faire un petit test, vous, et nous renvoyer un tout petit coucou. Ah, voilà. Ouais, c'est bien ça. Ok, super. Alors, il y a encore quelques personnes qui viennent d'arriver. On leur laisse le temps de se connecter si vous voulez bien.
Bonjour Calvi. Bon, ben, je crois qu'on va pouvoir y aller. Ça a l'air de se stabiliser, on va dire, dans les arrivées. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, merci de votre présence pour ce webinaire. On va essayer que ça tienne à peu près sur une heure. Donc, webinaire sur l'utilisation du drone en agriculture chasse. Je me présente, je suis Christopher Courtois. Je suis donc directeur du CFAD et je vais être accompagné par Alexandra, notre directrice adjointe. Donc le CFAD, on est vraiment ravis d'être partenaire d'être avec ExoExpert. C'est une application aujourd'hui qui répond à une véritable demande dans le secteur agricole. Elle vient renforcer notre offre de formation dans ce domaine. On cherchait depuis un moment un produit simple, efficace, et j'espère que, enfin, je suis même persuadé que la démonstration de Louis et d'Alan va vous le prouver. Et donc, on est vraiment content de pouvoir aujourd'hui vous présenter cette application avec leur expertise et tout ce qui s'accompagne. Donc, aujourd'hui, pour m'accompagner, on aura donc Louis Fontovitz, qui est de chez ExoExpert, et ouais. Également Alan. Voilà. Je peux le dire à l'italienne, hein. Salio Beretta. C'était joli, ça. C'est beau, ça. Voilà. Et donc, Alan. Et on est également donc, avec nous deux utilisateurs de l'application qui vont pouvoir nous expliquer un peu leur feedback en réel, qui sont donc Alain Hubaud de la Fédération de chasse du Pas-de-Calais et Yannick Henry, qui est estimateur pour le F1057. Ça, c'est plus proche de chez nous, déjà. Voilà. Donc, écoutez, avant de passer la parole, je vous propose juste, si vous le voulez bien, mais visiblement, ça, c'est plutôt bien suivi. Effectivement, dans ce cas, c'est juste de couper vos micros, comme ça, on n'aura pas de petits problèmes. Et donc, n'hésitez pas, évidemment, à utiliser le chat, hein, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, à la fin, dans tous les cas, bah, s'il reste des questions, des choses auxquelles on n'aura pas répondu, eh ben, vous n'hésitez pas, hein, vous avez la possibilité de lever la main au niveau de l'appli. Et à ce moment-là, on fera un petit jeu de questions-réponses dans ces cas-là. D'accord? Donc, je vais passer tout de suite la main à Louis. Excusez-moi, hein, j'ai un petit peu de mal. C'est l'émotion, ça, de vous avoir tous avec moi. Donc, je passe la main à Louis qui va nous expliquer l'application dans le détail. Eh ben bonjour à tous. Donc effectivement, moi je travaille chez ExoExpert avec mon collègue Alan, donc qui est aussi là en visio et qui pourra répondre à vos questions autant à l'écrit qu'à l'oral après pour développer un peu plus. Donc effectivement, on est aussi très fiers de pouvoir collaborer avec le CFAD, hein, qui est un centre de formation qui a maintenant beaucoup d'expérience dans le milieu du drone et qui a beaucoup de connaissances et qui est très sérieux. Donc c'est aussi ce qui nous intéresse beaucoup avec ce type de partenariat, c'est de pouvoir développer des relations long terme sur des membres du secteur et du milieu agricole et surtout dronistes qui puissent fournir et accompagner tous les utilisateurs de nos solutions, de nos services et nos applications pour que personne ne soit déçu et que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Donc là, voilà, l'objet de ce webinaire, c'est comment le drone peut permettre de renouer le lien, en tout cas aider à ce qu'il y ait un meilleur dialogue dans le monde agricole. Alors, il y a beaucoup de fédés de chasse qui font partie des personnes qui nous regardent aujourd'hui. Il y a aussi des télépilotes indépendants, des coopératives agricoles, des organismes de suivi d'essais. Donc, tous ces gens-là vivent et coopèrent dans le monde du secteur du milieu agricole. Et le drone est un outil innovant qui, depuis de plusieurs années, commence à vraiment trouver son point d'accroche et nous démontrer sa pertinence. Et c'est sur cet aspect-là qu'on a développé des solutions et des applications, des experts d'entreprise. On est spécialiste français de l'utilisation du drone en agricole et aujourd'hui, on vient vous présenter une de nos solutions qui est la solution d'ailleurs historique d'ExoExpert, qui est une application qui s'utilise uniquement sur iPad Pro et qui est en fait un outil d'aide à la décision de dégâts agricoles, donc aussi bien pour les fédérations de chasse, pour les experts fonciers agricoles, pour les FDSEA, FNSEA, les associations d'agriculteurs, les agriculteurs eux-mêmes s'ils le souhaitent,
les télépilotes indépendants qui souhaitent accompagner des agriculteurs ou tous ces autres acteurs-là sur le terrain, c'est un outil qui peut leur être, voilà, qui peut leur être mis à disposition et qui peut leur être utile. Donc à la fois beaucoup pour du dégât de gibier, et d'aide à l'estimation du dégât de gibier, d'aléas climatiques, et c'est vraiment un outil donc, sur l'iPad qui permet d'exprimer le plein potentiel du drone. Alors tu devrais rester sur cette diapo, hein, je n'avais pas totalement fini. Parce qu'en fait, cet outil, qu'est-ce que c'est? C'est une création d'orthophoto sur le terrain. Alors je m'explique, à l'issue d'un vol de drone au-dessus d'une parcelle agricole, en fait, l'estimateur, donc la fédé de chasse, le télépilote, ou l'expert foncier, etc., il peut reconstituer en quelques minutes directement sur le terrain, sans connexion Internet, la parcelle de façon numérisée en 2D, et il va surtout pouvoir aller faire des analyses sur cette dernière, en même temps qu'il sera sur le terrain. Alors, il peut la faire en présence de l'agriculteur, ou il peut la refaire au bureau le soir, s'il le souhaite, et ça va être une méthode supplémentaire qui va justement être complémentaire à l'arpentage, et qui va permettre à l'estimateur de justifier un petit peu mieux ses propos et de pouvoir démontrer aussi les méthodes qu'il a utilisées pour déterminer la quantité de dégâts qu'il peut y avoir dans une parcelle agricole. Alors, je parle de quantité de dégâts parce que souvent, c'est des gens qui vont faire des estimations de dégâts, mais comme il y a aussi des coopératives et des organismes de suivi d'essais qui nous suivent, il faut savoir que cette application-là est aussi très utile pour faire des suivis de cultures, de variétés, de salissements, de taux de levée aussi. Donc, c'est une application qui est dans ses utilités très diverses, qui ne s'arrête pas uniquement aux dégâts agricoles non plus. Sur cette application-là, on accompagne aussi les utilisateurs, donc que ce soit sur les formations drones, parce que le drone peut faire peur. C'est vrai qu'il y a quelques années, il fallait être un petit peu habile de la manette pour faire piloter un drone, mais aujourd'hui, il faut savoir que les drones, ils se pilotent vraiment tout seuls. Il n'y a quasiment aucun des utilisateurs qui vont toucher aux manettes pour faire voler leur drone. La plupart, en fait, le drone se vole automatiquement. Donc, il suffit de dessiner la parcelle sur un logiciel et c'est le drone qui va faire tout seul le vol, qui va prendre les photos de façon automatique. Et pour ça, il y a une formation qui est quand même nécessaire pour les gens qui ont vraiment plus de mal avec la technologie et qui n'ont pas l'habitude de manipuler ces outils-là. Et mine de rien, il y a aussi un aspect réglementaire qui n'est pas à négliger, parce que le drone, ça reste un outil qui peut devenir dangereux dans certaines conditions. Donc, c'est aussi pour ça que ExoExpert s'est rapproché de centres de formation comme le CFAD qui peuvent accompagner tous nos clients sur ces aspects-là, qui peuvent faire peur au début, mais qui, une fois qu'on les connaît et qu'on commence à les maîtriser avec quelques jours de formation, ça devient vraiment une lettre à la poste. Donc, ça, c'était ExoExpert en quelques mots. Maintenant, on va parler d'ExoExpert en quelques chiffres. Si tu peux passer la diapo, Christopher. L'application ExoExpert, elle a du coup pas mal de robustesse parce qu'on a déjà 550 000 hectares de parcelles qui a été numérisée. Donc depuis, alors ça fait 7 ans hein, que le projet de l'application existe, c'est pas sorti d'un chapeau, et elle a été construite avec les acteurs du terrain. Donc c'est des experts fonciers agricoles qui ont travaillé avec nous pour améliorer cette application, et c'est des personnes comme Yannick Henry, qui va pouvoir peut-être témoigner tout à l'heure s'il arrive à se débloquer. Il est en pleine expertise en ce moment, il va peut-être nous rejoindre depuis sa voiture. C'est des gens comme ça qui, avec le terrain, ont permis d'améliorer en continu l'application et ça lui a permis d'être une application qui est aujourd'hui très simple d'utilisation, très ergonomique et qui se veut très adaptée justement à ces cas-là d'utilisation, c'est-à-dire la fédération de chasse, de l'expertise, de l'estimation, exclusivement pour de l'agricole. Aujourd'hui, par rapport aux fédés de chasse, on en a 4 qui sont intégralement équipés. Donc avec des applications, avec des iPads, avec des drones. Il y en a certaines même, il y en a 2 qui sont allées un peu plus loin parce qu'elles sont allées sur des logiciels PC qu'on développe aussi, qui permettent de pousser un petit peu plus loin l'utilisation du drone, de le monter à l'échelle et d'avoir une gestion logistique par la même occasion. Et sinon, on a 8 fédés de chasse qui sont en cours d'accompagnement ou qui sont qui sont demandeuses en ce moment et qu'on va pas tarder à accompagner dans les jours à venir. Et sinon, au-delà des fédés de chasse, on a 115 utilisateurs courants, donc parmi eux, des experts fonciers, des télépilotes, des coopératives, des organismes de suivi d'essais et même certains huissiers qui l'utilisent pour des cas de panneaux solaires. Donc voilà, les utilisations sont variées, mais c'est ce qu'on va retrouver sur cette application-là. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu plus en détail sur l'application elle-même. Quel est le principe de l'application? Comme je vous ai dit, il faut d'abord commencer par faire voler le drone pour qu'il prenne des photos à intervalles réguliers. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il va prendre les photos à intervalles réguliers, chacune des photos va avoir un recouvrement de 80% entre la photo N et la photo N plus 1. Ce qui permet après à l'iPad de pouvoir reconnaître toutes les photos qui sont juxtaposées les unes aux autres, et qui va pouvoir reconstituer de façon numérisée toute la parcelle agricole en 2D, ce qui permet de construire ce qu'on appelle une orthophoto. C'est une photo pour laquelle chaque pixel est géolocalisé.
Donc c'est très simple, hein. On fait le plan de vol automatique, on le dessine. Après, le drone, il trouve son chemin tout seul. Quand on appuie sur play, le drone, il s'envole tout seul et il revient quand il n'a plus de batterie. S'il n'a plus de batterie, ben on change la batterie, on réappuie sur play et il recommence la mission là où il en était. Donc on ne va pas faire plusieurs fois les mêmes parcelles. Et une fois qu'on a fini son vol, il suffit de récupérer la carte SD et d'importer les photos sur l'iPad pour reconstituer en fait, directement sur l'iPad sans connexion Internet et vraiment très rapidement la photo qui est une orthophoto sur laquelle on va pouvoir faire des analyses de distance, de surface, de comptage et j'en passe, parce que justement, on a chaque pixel qui est géolocalisé. Alors, pour avoir un petit peu une notion de temps, il faut 1 minute pour faire 1 hectare de vol et il faut 1 minute pour faire 10 hectares de calcul sur l'iPad. Ça veut dire que si jamais je veux faire une estimation sur une parcelle de 10 hectares, j'en aurai pour 10 minutes de vol et pour 1 minute de calcul. Alors, si on prend en compte le fait de sortir de la voiture, de sortir le drone, voilà, de changer la batterie s'il le faut, etc. En gros, en 15-20 minutes, on a sur la tablette devant soi, sans connexion Internet, la parcelle numérisée. Et on peut commencer à faire des analyses dessus de distance, de surface, de comptage. Et c'est pareil, les analyses pour une parcelle de 10 hectares où c'est des dégâts typiquement des dégâts de sangliers dans de la prairie, dans du maïs. On peut faire les analyses en une quinzaine de minutes. Donc pour 10 hectares, ça prendra à peu près 30 minutes et on pourra tout de suite avoir un résultat factuel qui pourra être compris par l'agriculteur. Donc ça permet aussi de pacifier la relation entre l'assurance, entre la fédé de chasse et l'agriculteur. Tout le monde comprend mieux ce qui s'est passé. Et à l'issue de ces analyses-là, on peut même créer un rapport PDF, je vous montrerai, pour pouvoir justifier toutes les analyses et avoir de la traçabilité. Une des fonctions de ces outils, donc on commence tout de suite par une des fonctions les plus simples, c'est la mesure de surface et des mesures de distance. Donc là, vous pouvez voir, c'est tracé simplement à la main, donc soit avec un stylet iPad classique ou même avec le doigt. Et en fait, ça permet tout simplement et très rapidement de dessiner à la main les surfaces qu'on voit endommagées sur la parcelle. Donc ça, c'est un des premiers outils. Alors bien sûr, je le dis tout de suite, hein, mais le drone ne remplacera jamais l'arpentage. Il est conjoint à une utilisation d'arpentage. Donc c'est-à-dire que quand on a fait son vol de drone, ça permet aussi de pouvoir rentrer dans la parcelle avec l'iPad. Et comme l'iPad est géolocalisé, on voit sur l'orthophoto qu'on vient de créer où on se trouve dans la vraie vie dans la parcelle. Donc ça permet aussi de comparer ce qu'on voit sur l'orthophoto et ce qu'il y a sous nos pieds pour pouvoir faire de l'arpentage complémentaire et justifier un petit peu plus des zones qui sont plus loin et qu'on n'aurait peut-être pas eu le temps d'aller voir et justifier du fait que c'est le même dégât, la même caractéristique et les mêmes origines. Pardon. Alors Christopher, tu peux passer à l'outil suivant. Donc ça, c'était l'outil de surface. Maintenant, on va utiliser un autre outil qui existe, c'est un outil de pipette. Donc là, c'est un outil qui va un peu plus loin mais qui est capable en fait de délimiter des surfaces de pixels similaires. J'entends par exemple, là, c'est typiquement un problème de levée dans du colza, donc ça ne va pas beaucoup concerner des fédés de chasse, mais le principe est le même. Si un sanglier est venu gratter une prairie, il va y avoir de la terre marron sur de l'herbe verte. Et donc, très rapidement, avec le logiciel, on peut venir en fait sélectionner un pixel de terre. Il va aller reconnaître tous les pixels de terre qu'il y a sur la parcelle. Et comme vous voyez à gauche sur cette image, il y a des seuils de sensibilité. C'est-à-dire que ce n'est pas l'iPad, ce n'est pas le drone qui va donner un résultat, c'est systématiquement l'estimateur qui, avec l'outil drone, va être capable qui est une méthode supplémentaire, va être capable de trancher et de donner un résultat. Il va pouvoir le prouver, ce résultat. Donc, si on met tous les potards à gauche de sensibilité à fond, on va trouver 100% de dégâts. Mais ce n'est pas du tout l'objectif. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir justifier de combien de pourcentage de dégâts on met en fonction de ce que l'image nous renvoie et le seuil de sensibilité que l'estimateur a jugé correspondant, a jugé pertinent. Donc, c'est parfait pour les dégâts épars. Comme je disais, hein, dégâts de sangliers dans maïs, dégâts de sangliers dans prairies, c'est vraiment des dégâts qui. C'est vraiment du salissement aussi. Là, c'est du salissement, c'est typiquement dans du régras, du colza. On a beaucoup de régras dans du colza pour des organismes de suivi d'essai. Très intéressant de pouvoir suivre les taux de salissement en temps réel. Dès qu'il y a une nuance de couleur et qu'elle est perceptible à l'œil, elle sera perceptible depuis le drone, et ça à 120 mètres. Là, ça, c'est que des photos qui sont faites à 120 mètres. Donc, comme je vous ai dit, 1 minute de l'hectare, on peut aller très, très vite et on peut gagner pas mal de temps. Donc, ça, c'était pour l'outil pipette. Maintenant, on va passer à l'outil suivant. Ah non, pardon, c'est pas l'outil suivant, c'est justement un cas de sanglier dans prairie. Donc là, c'est le même principe, l'outil pipette qui a été utilisé. Là, vous voyez que le sanglier, il a gratté dans la prairie. Alors, ça fait des dégâts qui sont extrêmement éparses. Tout de suite, sur cette zone, le cercle, il représente à peu près 1 hectare. Donc, on aurait pu prendre plus grand, hein. Mais là, pour l'exemple, on a pris 1 hectare, à voir que du coup, sur 1 hectare, on est capable tout de suite
de déterminer les dégâts qui sont très épars et qui seraient très difficiles d'estimer à la main, enfin à pied, pardon. Et là, bah, le logiciel, avec le seuil de sensibilité que l'estimateur a trouvé pertinent, parce que bon, les pixels blancs, c'est les pixels de sol qu'il a réussi à mettre en surbrillance, le logiciel détermine du coup que les pixels blancs représentent 13,1% de l'image. Alors les virgules, bien sûr, on n'en est pas jusque-là dans la précision, hein, à savoir que ça, ce serait une question qui sera posée. La précision de l'outil, on la considère entre 0 et 5%, alors entre 1 et 5%, même entre deux estimateurs différents. Parce que voilà, on peut tout de suite comparer si le sol et les pixels blancs sont bien au même endroit et correspondent bien en passant d'une image à l'autre. Et donc là, typiquement, un autre estimateur aurait trouvé au même endroit entre 11 et 15%. Et alors la virgule, on n'est pas obligé de la mettre à la fin du rapport parce qu'on n'ira jamais dans ce degré de précision-là. Hein. Mais par rapport à ce qu'on aurait pu faire à pied, ça permet au moins déjà de pouvoir justifier son résultat et de l'approcher. Donc ça, c'était la fonction pipette sur de la prairie. Maintenant, la prochaine fonction, qui est la dernière, en fait, vraiment, à utiliser sur l'application, c'est la fonction comptage. Donc là, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que dans une zone donnée, je vais aller pouvoir sélectionner un pixel qui me satisfait, que je veux isoler. Donc ça peut être des plantules, ça peut être des vignes, ça peut être des arbres, des arbustes. On a même vu des melons, des gens qui ont compté des melons avec cette application, des noix dans des noyers. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'utilisations. Et là, pour le coup, c'est des plantules de tournesol. Donc, c'est pareil, il y a eu des mètres linéaires de dégâts de sanglier à cet endroit-là. Des fois, il peut même y avoir des dégâts de corvidés, même s'ils ne sont pas pris en compte. Et plutôt que de lancer un cerceau ou de mettre un mètre linéaire dans la parcelle et de compter le nombre de plantules manquantes, là, on peut tout de suite et très rapidement. Et vraiment, hein, c'est le logiciel qui il suffit de pointer une plantule et il va chercher avec les degrés de sensibilité qu'on lui donne les autres plantules similaires. Il va tout de suite pouvoir compter la densité de plantules à cet endroit-là et on travaille tout de suite sur 100 mètres carrés. Là, c'est une surface de 100 mètres carrés sur le cercle où on a trouvé 514 unités dans ces 100 mètres carrés. Et donc, le logiciel, il a fait la traduction, ça donne à peu près 51 000 unités hectares de plantules. Voilà, pour des sujets de ressemis, s'il y a des seuils minimales ou tout simplement pour estimer la quantité de dégâts qu'il y a eu au semis sur des plantules, c'est un outil pareil qui est extrêmement pertinent et qui est très rapide à mettre en place. Donc voilà pour l'outil comptage. Et maintenant, le dernier outil, qui est un outil très simple aussi, c'est l'outil zoom. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai reconstitué mon image, il est possible avec l'application de, à n'importe quel endroit de la parcelle, pouvoir isoler la photo du drone qui a été prise à cet endroit-là et d'aller zoomer dessus avec une indication de surface du cercle sur l'outil zoom. Là, typiquement, ça, c'est un vol qui a été fait un petit peu au-delà des 120 mètres, donc on doit être à 130 mètres à peu près, avec un drone du commerce qui est vraiment premier prix, un truc à 1800 ou 1000 euros hors taxe. Et à 130 mètres, vous voyez que la résolution du drone, elle est déjà largement suffisante et qu'on peut tout de suite distinguer en fait le dégât de sanglier dans le maïs. Là, c'est du dégât de sanglier dans du maïs, ce qui permet aussi tout de suite de caractériser les dégâts. On peut faire la différence, hein, est-ce que c'est du ragondin, est-ce que c'est du sanglier? Est-ce que c'est du dégât de sanglier? Est-ce que c'est pas plutôt un problème qu'il y a eu au semis? Donc, auquel cas, on n'aurait pas vu de paille au sol à cet endroit-là. Voilà, c'est beaucoup de choses qui permettent comme ça, c'est une méthode supplémentaire hein, qui permet à l'estimateur de juger, de caractériser le dégât sur des parcelles qui font des dizaines d'hectares. Ça peut économiser des fois une bonne demi-journée de pouvoir aller en un clic vérifier avec le zoom si c'est pas un dégât de semis ou si c'est vraiment du dégât de sanglier quand c'est des dégâts épars, c'est qu'on peut pas y aller à pied forcément ou qu'on l'a pas vu. Parce que quand le maïs il fait 2,50 m et qu'il faut faire des aides dans la parcelle, eh ben, on rate souvent pas mal de trous qu'avec le drone, on pourra distinguer et que l'agriculteur ne pourra voir qu'on l'a vu aussi. Quoi. L'agriculteur il pourra comprendre ce qui s'est passé sur l'expertise et comment ça a été estimé. Donc voilà pour l'outil zoom. Comme je disais, du coup, à l'issue de toutes ces analyses, l'estimateur peut en fait compiler toutes ces analyses en un rapport PDF. Donc, c'est quasi automatique, hein. Il suffit de cliquer sur un bouton et ça va compiler les analyses de distance qui ont été faites, les points d'intérêt, si jamais il y a des coordonnées GPS qui ont été récupérées, les densités de comptage, les surfaces. Et on peut, en fait, pimper, entre guillemets, ce rapport PDF. On peut y ajouter des commentaires à la main, du texte, et on peut y ajouter des annexes. Très intéressant aussi. Toutes les images que je vous montre depuis tout à l'heure en noir et blanc, où on a typiquement tout à l'heure le dégât de sanglier dans prairie, où on avait l'image binaire noir et blanche qui démontrait que c'était bien uniquement le sol qui était pris en compte et pas autre chose dans cette expertise, on pourrait le rajouter en annexe de ce rapport PDF, ce qui permet à toutes les parties prenantes qui n'étaient pas présentes pendant l'estimation de comprendre
d'où viennent les fameux pourcents de dégâts sur cette surface-là, et de pouvoir du coup se dire, ok, bon bah je comprends bien qu'est-ce qui a été pris en compte, qu'est-ce qui n'a pas été pris en compte, et c'est une traçabilité supplémentaire que jusqu'à maintenant, il est difficile d'avoir avec un arpentage classique. Donc voilà pour les utilisations d'ExoExpert, vous voyez, elles s'arrêtent à là. Alors après, en pratique, il y a beaucoup de cas d'utilisation d'ExoExpert, mais sur les outils, il n'y en a que 5. Surface, distance, point d'intérêt, et après pipette et comptage. Donc voilà, il n'y a que les 5 outils-là qui existent. Et tu peux passer à la diapo suivante, Christopher, parce que toutes ces applications donc, qui se retrouvent sur ExoExpert, c'est sûr, je répète, sur iPad Pro uniquement. Il n'y a que les iPad Pro qui ont le processeur nécessaire pour pouvoir faire ce type de calcul jusqu'à maintenant. Donc c'est une application qui coûte 699 € TTC par an. Et l'utilisation, elle est conseillée. Alors ça, c'est en termes de matos. C'est pareil, on vous accompagne là-dessus et le CFAD vous accompagnera là-dessus. Sur le matériel conseillé, nous, on conseille des drones R2S, si l'utilisation n'est que pour du ExoExpert. C'est un drone du commerce qui est très petit, qui est compact, qui a une bonne trentaine de minutes d'autonomie par batterie, qui a la résolution qui est largement suffisante pour faire des dégâts agricoles et qui est très adapté à une utilisation à l'application ExoExpert, donc il coûte 1 000 € à peu près hors taxe. Sinon, il y a pas mal de faits des chasses qui sont partis sur des Mavic 3 thermales parce que en fait, l'utilisation des caméras thermiques sont très intéressantes aussi pour les fédérations de chasse, que ce soit pour de la détection de fang, détection de gibier, pour la communication de la fédé ou des fois même pour des dégâts agricoles. C'est complémentaire à l'utilisation d'ExoExpert. Ça peut être très intéressant d'utiliser du thermique. Là, tu peux passer à la diapo suivante, justement, Christopher. C'est une diapo où on montre une image thermique. Donc pour les fédérations de chasse, alors ça c'est une image qui nous vient de Yannick Henry de la Meurthe-et-Moselle, qui va peut-être pouvoir nous rejoindre tout à l'heure pour témoigner rapidement. Un utilisateur depuis 2019 du coup d'ExoExpert, qui s'est équipé avec le drone thermique. Et ce qui est intéressant avec ce drone thermique, bien qu'il soit quasiment 3 fois plus cher hein, que l'autre petit drone, c'est qu'il a une dualité, on peut utiliser à la fois une caméra dans le visible et à la fois une caméra thermique. Ce qui permet dans le cas où on veut faire des détections de fang d'utiliser la caméra thermique. Et dans le cas où on veut faire du ExoExpert, et ben d'utiliser la caméra dans le visible avec le même drone. Donc c'est un investissement pour 2 utilisations, d'autant que ce drone-là a une caméra intégrée sur la télécommande. Ça va aller. Il est un petit peu plus simple d'utilisation aussi, mais il est plus cher, forcément. Alors maintenant, je vais aller un petit peu plus loin pour les perspectives sur les utilisations de logiciels en agricole. Comme je disais, il y a déjà deux fédés de chasse qui se sont équipés avec le logiciel ExoAgro, qui est un autre logiciel qu'on développe depuis 4 ans en interne chez ExoExpert et qui s'adapte très bien à l'utilisation dans les fédés de chasse puisque c'est une interface PC qui permet de gérer la logistique des estimations et des expertises. Donc en gros, les agriculteurs, on peut renseigner leurs parcelles sur ces interfaces-là. Ça permet de créer des plans de vol automatiquement sur les drones pour que l'estimateur n'ait pas à dessiner le plan de vol. Ça permet de faire de la remontée de données aussi sur les cartos qui ont été créés. Et ça permet surtout de pouvoir faire du stitching. Donc, ce qu'on appelle du stitching, c'est de la reconstitution en 2D des parcelles sur ordinateur. Donc, on gagne du temps on gagne en qualité. Pas forcément en temps, on ne peut pas le faire sur le terrain du coup, mais on peut le faire toute la nuit sur toutes les parcelles qui ont été tournées la journée. S'il faut, 500 hectares en une nuit peuvent être calculés sur un PC et peuvent être rendus le lendemain pour des analyses sur ExoExpert si on le souhaite. Ça, c'est la première boîte à outils ExoAgro. Et la deuxième boîte à outils, c'est une application de comptage d'épi. Donc là, bon, rien à voir avec le drone, mais ça reste complémentaire parce que quand le drone vole sur une parcelle de céréales, blé, orge, l'estimateur il peut dégainer son téléphone pour prendre une photo des épis dans son cercle, donc le cercle de comptage qu'il a habituellement. Et cette application-là, elle permet avec une intelligence artificielle de compter en instantané. Et pareil, sans connexion Internet, hein, toujours, tous les épis de céréales qui se trouvent dans ce cercle, pour pouvoir estimer le rendement très rapidement. Donc, c'est bien sûr l'estimateur qui donne le PMG et le nombre de grains par épi. Et là, il peut très rapidement estimer le rendement de la parcelle de céréales. Il le fait 3-4 fois. Ça permet aussi de gagner un petit peu de temps, de traçabilité, parce qu'on peut ranger ses dossiers d'année en année, on peut les retrouver aussi. Et surtout, c'est un peu moins pénible, quoi, en pleine canicule, de devoir compter. Une cinquantaine de cerceaux dans la journée, ça peut devenir long et fatigant. Mais là, avec une application, on le fait 3-4 fois dans la parcelle et on a tout de suite une bonne estimation du rendement. Donc voilà pour les perspectives d'ExoExpert et pour aller plus loin. Maintenant, je pense qu'on va passer du coup au témoignage. Dans un premier temps, ça va être Alain Hubot,
donc qui est présent avec nous. C'est un estimateur de la Fédération de chasse du Pas-de-Calais, qui est tout jeune utilisateur d'ExoExpert. Donc c'est quelqu'un qui s'est auto-formé sur ExoExpert. Je l'ai accompagné à distance, mais on ne s'est jamais vu en vrai. Et il a utilisé des guides qui ont été faits par nos soins. Et surtout, il s'est auto-formé avec des essais et des erreurs. Et il va pouvoir vous raconter ses débuts et comment est-ce qu'il a pu se débrouiller avec le drone. D'autant que c'est un utilisateur qui était déjà pilote de drone. Il avait déjà un drone avant de nous connaître. Et il avait déjà pensé utiliser le drone pour faire des estimations en dégâts agricoles. Donc, il va pouvoir nous raconter un petit peu son histoire. Je pense qu'il faut que tu penses à débloquer ton micro, Alain, pour pouvoir raconter ton histoire. Louis, ouais. Pardon, je te coupe. Il y avait quelques questions, si tu permets. Ah oui, c'est vrai. Par rapport à ta présentation. Ah oui, bien sûr. Et après, on vous donne tout de suite la parole. Hein. Mais voilà, vas-y. Pose des questions. Du coup, il y avait une question. Je remonte un petit peu le fil. Il y a une question sur le matériel. Est-ce qu'il est possible de le faire avec un Mavic 3M? Oui, totalement. Si vous avez un Mavic 3 multispectral, c'est pareil, le Mavic 3 multispectral possède une caméra dans le visible. Donc exactement comme un Mavic 3T, le thermal, eh ben, on peut utiliser la caméra dans le visible pour faire des photos et utiliser l'application iPad d'ExoExpert. C'est exactement la même gamme de drones, donc ça marche pareil. Ok. Il y avait une question sur le zoom. On nous demande s'il est seulement circulaire ou s'il peut avoir une forme autre, par exemple rectangulaire et redimensionnable. Le zoom du drone, est-ce qu'on parle de ça? La fonction zoom. Loupe, c'est la fonction loupe, Louis. Ah oui, c'est pour dire que tu peux faire dans un polygone. Eh bien, alors, vas-y, je te laisse répondre, Alan. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, quand on fait une détection de couleur, donc, quel que soit ce qu'on détecte, dès qu'il y a une couleur, une différence de couleur, en fait, on peut choisir la surface sur laquelle on fait l'analyse. Donc, ça peut être effectivement ce cercle, mais ça peut être comme tout à l'heure, Louis montrait des zones qui avaient été tracées à la main. On peut très bien tracer une zone à la main, par exemple, voilà, une forme qui serait toute biscornue, typiquement, et venir faire l'analyse de couleur à l'intérieur de cette zone qu'on a tracée. Donc, ça peut prendre, en fait, toute forme que vous souhaitez. Là, en l'occurrence, c'est le cercle, parce que Louis a zoomé sur une zone, mais derrière, on peut l'appliquer sur une zone tracée à la main. D'accord, merci. À nouveau, sur du matériel, on nous redemande si c'est tout ça. Alors, on nous parle du logiciel. Est-ce que c'est que compatible Mac? Alors, je ne sais pas si c'était pour agro, pour exo-agro ou si c'était pour exo-expert. Alors effectivement, donc pour ExoExpert, donc l'application voilà terrain où on fait le vol de drone, ce qu'a présenté Louis au début, ça c'est uniquement sur iPad. D'accord. Par contre, la partie que vous avez vue sur ExoAgro, la partie qui fait les traitements multispectrales, etc., c'est uniquement sur PC aujourd'hui. En revanche, la partie gestion parcellaire, c'est-à-dire voilà, organiser le travail, organiser les tournées de vos estimateurs typiquement, ça, c'est sur Mac ou sur PC. Très bien. Il y avait une question sur les orthophotos. Quels sont les taux de recouvrement avant et latéraux, ainsi que la hauteur de vol pour obtenir cette orthophoto? Je crois que sur la hauteur, vous avez répondu. Oui, tout à fait. Donc, sur le recouvrement, ce qu'on conseille, c'est dans des conditions, on va dire, optimales, c'est-à-dire pas trop de vent, une bonne luminosité, on fait du 75-75 recouvrement. Après, la hauteur, j'ai envie de dire, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire effectivement du dégât de surface, etc., vous pouvez voler à 120 mètres. Après, on laissera les deux personnes témoigner, notamment Yannick qui a l'habitude de voler plus bas. Il expliquera pour quelles raisons. Si vous voulez faire des choses très fines, détecter des toutes petites choses, forcément voler plus bas. Ça, c'est vraiment selon ce que vous voulez faire. Et après, dans des conditions qui ne sont pas optimales, c'est avec beaucoup de vent notamment. Donc, pourquoi beaucoup de vent? Parce que le végétal, entre deux photos, il se déplace. Enfin, il se déplace. Il bouge à cause du vent. Donc là, on va plutôt faire du 80-80 en recouvrement. Merci. Ensuite, il y avait une question. Alors, j'avais un bout de question. Donc, je pense qu'on me demandait si l'application ExoExpert, c'est comme GSP ou GSP. Alors, GS Pro. Alors effectivement, donc GS Pro, donc c'est surtout un outil donc pour faire du vol automatique de la prise de photos et qui peut faire également aussi de l'orthophoto sur une fonction payante. Elle s'arrête à ce point-là. ExoExpert, c'est surtout... on voit Yann qui se connecte. Je vais le laisser prendre la parole après. Que ExoExpert, c'est surtout un outil métier, je dis souvent. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'orthophoto, c'est justement l'ensemble des outils qu'on déploie qui permet
de venir faire l'analyse du dégât, de venir faire l'interprétation de ce qu'il y a sur la parcelle et de générer surtout un rapport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive sur la parcelle, on ne connaît rien du dossier. Quand on part de la parcelle, le dossier est terminé et l'exploitant a son résultat. Ok. Sur le comptage, il y avait, tu peux descendre, pardon. Sur le comptage, on demande si on peut compter des plantes type colza, tournesol, soja avec l'application ExoExpert. Alors non, avec l'application, je pense, ExoEPI. Et quelle différence avec le comptage ExoExpert? Alors, donc sur ExoExpert, il faut comprendre que l'algorithme est un algorithme qu'on a entraîné pour compter des choses qui se différencient des unes des autres. C'est-à-dire que ce n'est pas adapté à une culture ou à un élément. C'est dès qu'on a des éléments qui sont discernables de par la couleur et de par leur forme, le logiciel va les détecter. Donc typiquement, si je prends l'exemple du colza, le colza, c'est très difficile à compter avec le logiciel parce qu'on a souvent des plants qui se recouvrent les uns les autres très rapidement et donc on ne peut plus discerner ces différents plants. Là où en culture de printemps, Allez-y, comme le sans moi, je suis maïs ou en autre, réunion. c'est plus Téléphone, simple, pour une demi-heure. c'est plus simple de compter du coup ces éléments-là. En revanche, ExoEPI, qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est un algorithme qui a été entraîné spécifiquement pour compter des épis, donc notamment de blé et d'orge. Donc là, ça ne compte que ça. Et par contre, ça le fait très bien. Par contre, voilà, c'est pas polyvalent, ça fait que ça. L'application ExoExpert va venir compter ce qui se discerne. C'est pour ça que typiquement, on compte les noix dans les noyers, par exemple. Les noix se discernent très bien quand elles sont dans leur enveloppe par rapport au vert des feuilles. Mais comme on détecte d'autres éléments, on parlait des melons tout à l'heure. Typiquement, dans les plantations de melons, les melons se discernent très bien aussi le feuillage. C'est vraiment une question de discerner ou pas la couleur. Si toi, humainement, tu ne vois pas de différence sur l'image d'une tête de tournesol et du reste, c'est que le logiciel ne pourra pas le compter. En revanche, ExoEPI est extrêmement performant pour le comptage d'épis. C'est-à-dire que tu as 300 épis devant toi, tu aurais du mal à les discerner, l'application les discernera. Très bien, merci beaucoup. J'ai l'impression que c'est tout pour le moment pour les questions. Si on a oublié quelque chose, vous n'hésitez pas à la relancer, hein, comme Voilà. ça, voilà, on a pu oublier une question, donc n'hésitez pas. Et Louis, du coup, tu voulais donner la parole à Alain ou à Yannick? Je ne sais pas lequel des deux est le plus pressé, peut-être. Et ben, je vois que les deux sont connectés. Peut-être Yannick, comme toi, tu es en expertise, si jamais tu es pressé, prends la main et puis Il faudrait réactive ton juste micro. le... Voilà, je vais couper son micro, donc s'il peut le remettre. Ouais. Sinon, Alain, tu peux aussi désactiver ton micro et prendre la Oui, parole. Donc, ok. en fait, Alain, c'est un jeune utilisateur, alors que Yannick, c'est un utilisateur qui a déjà 4 ans d'expérience sur l'application. Donc, comme ça vous permettra d'avoir les deux retours d'expérience. Sachant qu'Alain, il a réussi à prendre en main l'application sans même, enfin, voilà, en s'autant formé, ça lui a pris du temps et ça lui a pris beaucoup d'énergie, mais il a quand même fini par trouver et par comprendre l'application par lui-même. Même si ouais, c'est pas forcément ce qu'on conseille, hein. Nous on conseille toujours de se former sur cette appli parce qu'autrement c'est l'expérience utilisateur peut être un peu compliquée. Mais Alain, voilà, jeune utilisateur depuis décembre, je crois, 2023. Alors est-ce que Alain, tu as réussi à réactiver ton son? Je vais t'aider. Okay. Voilà. Donc je peux y aller? C'est parti alors. Voilà. Bah, bonjour à tous, hein. Donc Alain Hubaud, estimateur dans le Pas-de-Calais. Donc je suis depuis 6 ans je suis en route, donc j'ai commencé comme ça à la main comme tout le monde. Et après qu'un copain qui était estimateur aussi dans le Pas-de-Calais, on sommes partis tous les deux avec un parote à l'aventure tous les deux, un petit peu avec l'accord de la Fédé, parce que c'était pas trop chaud au départ. Et donc, on a fait tous les deux le drone avec le parote, avec le tableau qu'il m'a fourni un petit peu sur le côté, là, où on voit toutes des bases de 100 mètres carrés sur 100, et on arrivait à calculer le pourcentage de perte de récolte. Bon, il y a eu beaucoup de boulot dessus, et voilà. Donc, à un moment donné, j'étais un petit peu saturé. Donc, je voulais avoir comment dire ça, un document plus viable et plus sérieux à présenter aux agriculteurs. Donc, j'ai découvert ExoExpert en cherchant sur Internet. Et donc là, j'ai demandé depuis décembre de partir dessus. Et à partir de là, bah, je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même plus concret, malgré mes erreurs, malgré les difficultés au départ, parce que je me suis débrouillé tout seul. Mais j'ai bien appris, et j'ai bien appris. Et je crois que c'est une bonne solution pour les FED. Même pour nous, au moins au niveau des gens, quand on va présenter ça, ça sera du carré, on verra directement. Voilà, c'est surtout ça.
Donc, non, je ne regrette pas mon Parrot, mais je regrette un petit peu mes outils parce que j'ai dû partir de l'Android à l'iPad, du Parrot à un nouveau système de drone, donc j'ai dû m'habituer un petit peu avec et tout ça. Et moi, donc, de Pau, depuis décembre, il pleut chez nous, donc on n'a pas fait beaucoup de vols. Et donc, c'est toujours des vols un petit peu à droite, à gauche, et donc avec des réussites et plus ou moins. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense que je suis prêt à faire des vols sans problème, quoi. Donc, je passerai encore moins de temps et je pourrais certifier aux agriculteurs qu'aujourd'hui, c'est bien comme ça et c'est pas autrement. Voilà. C'est ce que recherchent d'abord les agriculteurs. Voilà. Après, ce que tu m'avais dit, Alain, c'est que toi, tu n'étais pas du tout à l'aise sur les iPads, tu connaissais pas du tout les Mac, Non. Apple, etc. Donc, finalement, ça a été ça qui a été la plus grosse difficulté pour Ouais. toi au début, c'était de te mettre un petit peu à l'aise avec les iPads. Mais une fois que tu étais à l'aise avec la manipulation d'un iPad, finalement, ExoExpert, Bah, c'est plus tu as pu simple. sortir sur les outils. Il y a cinq outils, Ouais, il y a trois boutons, ouais. donc c'est Ouais. difficile de s'y perdre. Et alors, juste, tu n'as pas trop raconté, mais c'est vrai qu'avant, du coup, ExoExpert, tu utilisais déjà un petit peu du drone. Alors, ta méthode, elle était un peu particulière. C'était quoi? Oui. Tu prenais des vidéos avec une caméra à 45 degrés de la parcelle, donc tu prenais Ouais, toute tout la à parcelle en fait. vidéo, et après tu te rematais la vidéo chez toi, et tu faisais des captures d'écran tous les X secondes, et après tu comparais chacune des captures d'écran au tableau, là, qu'on voit qui est Voilà, tout à partagé, fait. et à l'œil, tu étais capable de dire, bah, là je vois à peu près 60% de dégâts, et puis après tu faisais la moyenne sur toutes les photos que tu avais compilées, Disons, et tu pouvais ouais. ressortir un pourcentage de la parcelle, quoi. Voilà. Mais au début, on faisait que l'agriculteur. Donc, au départ, on faisait à deux pour être sûr. Et à la fin, comme j'avais beaucoup de dossiers, je filmais, je rentrais et je donnais les rapports au soir, le lendemain, parce que j'avais trop de documents à faire. Parce qu'on passe quand même du temps, on vérifie tout ça, on déroule les images, on les arrête tous les 10 secondes. Si le film il dure 5 minutes, donc vous comptez un petit peu toutes les images, calculez tout, être sûr de son coût. Bon, voilà, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que là, on prend le logiciel et on appuie dessus, avec la pipette, c'est vrai que c'est plus clair, quoi. Claire, Voilà. là, tu as moins de temps, il y a moins aussi de sujets de subjectivité, un petit peu moins Ouais, parce ouais. que Ouais, parce que les c'est plus agriculteurs sont de plus en accessible. plus un peu. Ils tirent un peu plus en ce moment. Je pense que dès qu'on fait un dossier, sanglier, ça monte un petit peu déjà. Alors, donc il faut des résultats. Bon bah super. En tout cas, merci beaucoup Voilà. pour ton témoignage. S'il Peut-être faut y maintenant on va aller, pouvoir. c'est super. Hein. Franchement, j'ai trouvé ça. J'espère que la Fédé, parce que la Fédé du Pas-de-Calais, elle n'est pas très chaude encore. Mais bon, j'espère qu'ils vont essayer de voir un petit peu l'évolution, parce que c'est vrai que c'est un bien pour tout le monde. Voilà. Bon, bah, merci Alain. On va pouvoir passer maintenant au témoignage de Yannick. Je crois qu'il est là avec nous. Si tu peux, bah, tu as déjà désactivé tout, donc je te laisse parler, Yannick, te présenter, raconter ton histoire aussi. Ce sera intéressant. Bonjour, vous m'entendez là? Oui, très bien. Allô? Oui, Vous on m'entendez? t'écoute. Oui. Ça Oui, fait c'est bon, c'est Yannick. parfait. Tu as un très Donc, beau béret. Yannick, ouais, tu vois, je suis homme de terrain. Parce qu'en Moselle, il pleut. Donc, juste une petite précision, c'est Yannick Henry de la Fédération de la Moselle, pas de la Meurthe-et-Moselle. Tout à l'heure, on a dit Meurthe-et-Moselle. Dans la pub qui est passée il y a peu de temps, c'était Meurthe-et-Moselle, mais on insiste, c'est de la Moselle. Donc voilà, c'est juste pour expliquer. On est un peu chauvin en Moselle, on va dire. Moi, j'ai passé mon brevet de télépilote il y a 4 ans au CFAD, justement. Et nous, on utilise ExoExpert. Bon, on est un des premiers, je crois, à utiliser ExoExpert. Et Alan ne me contredira pas. On s'est rencontrés. On a même fait évoluer ensemble ExoExpert, hein, les loupes, etc. Et on continue à le faire évoluer. Donc, moi, l'outil, c'est un excellent outil. À cette heure-ci, je ne m'en passerai pas. On a même fait le pas cette année. À passer à ExoAgro, qu'on est en train de tester, hein, tout ce qui est pour multispectral. Et en règle générale, le drone dans l'estimation, bah, c'est un outil indispensable. Donc après, moi, qu'est-ce qui nous apporte ExoExpert et le drone? C'est une traçabilité. Là, ce matin, on était rencontré des exploitants. Moi, j'ai fait les parcelles début décembre, dès qu'ils ont signalé les dégâts. J'ai fait des photos. On a retrouvé les dégâts où ils étaient. Et on les a validés avec les exploitants. Donc, c'est une traçabilité énorme et on parle de la même chose au même moment. Avec ExoExpert, quand on cartographie une parcelle, pardon, on va au même endroit avec l'exploitant et on valide des dégâts ou non. Après, Alan disait tout à l'heure que je vole un peu moins. Maintenant, avec le dernier iPad Pro, on peut avaler jusqu'à 2000 photos. Donc, 2000 photos avec les batteries des Mavic 3T ou 3M. Qui vont jusqu'à 35-40 minutes, on peut se permettre de descendre l'altitude pour améliorer encore la qualité de photo. Voilà, surtout à cette époque
où la végétation est, ne couvre encore pas parfaitement le sol. Dans un mois, dans 15 jours, ça sera différent. On verra plus facilement le vert et le brun. Là, à cette heure-ci, les blés poutal, mais voilà, ça recouvre encore pas. Donc, moi, je préfère à cette époque de voler à 70 mètres, 80 mètres. De toute façon, ça nous, c'est souvent 5-6 minutes de plus de vol, mais derrière, on s'y retrouve en qualité de vol et en traitement de photos. Voilà. Après, moi, je me suis rendu compte, alors, pour ceux qui ont un Mavic 3T, 3M, pardon, quand vous volez, vous avez toujours un carré vert. Je ne sais pas ceux qui ont long, vous voyez le carré vert. C'est le présoom, en fait, qu'on peut mettre à 6, 7, 8, 9, 10. Et ce présoom-là, en fait, sur un terrain plat, je me suis rendu compte, et on l'a cartographié avec les gars, que si on met le présoom sur 6 à 50 mètres, ça correspond à un arbre. Donc, j'utilise aussi cette méthode-là dans des zones à peu de dégâts et dans des grands parcellaires où je vais me balader avec mon drone et mettre mon carré vert pour estimer les dégâts. C'est aussi une des solutions. Je vois, vous allez voir, sur ma mallette, voilà, j'ai mis ce petit et voilà, c'est ma table. Voilà. Donc ça, c'est une astuce qu'on a fait avec les estimateurs. Après, je précise bien, c'est en terrain plat, puisque si on part, on est à 50 et que le terrain monte, forcément, au bout, on va être à 60 mètres, on va être à 40 mètres d'altitude. Donc, ça sera différent. Et voilà, c'est une des astuces aussi du drone. Mais pour moi, le drone en estimation est indispensable pour dire, on a commencé, on faisait 3000 heures, 300, 3000 hectares de vol, d'hectares volés il y a 4 ans. Cette année, l'année dernière, 2023, on a fait 10 000 hectares. Et à deux télépilotes, on a fait 80 heures de vol. On a tout confondu. Que pour l'estimation dégâts. Après, au niveau rentabilité, c'est très simple, c'est que avec ExoExpert, vous prenez une parcelle de 30 hectares de maïs, en 45 minutes, elle est faite. Vous mettez deux estimateurs dedans. Ça vous met une demi-journée. Donc le coût est pas le même. Le coût est pas le même. Bon, voilà. Voilà, bah, par rapport à ExoExpert. Et après, l'outil, on a déjà parlé avec Alan et Louis, l'outil, de toute façon, plus on va être nombreux à l'utiliser, plus on va pouvoir faire des améliorations, gagner en temps, gagner en précision. Mais voilà, dans des dossiers de compliqué chez des exploitants compliqués qu'on sort le drone, qu'on couche la parcelle avec ExoExpert et qu'on va surfer avec la loupe partout dans la parcelle, on n'a plus de source de discussion, quoi. On arrive à reconnaître on sait où est l'averse, on sait où sont des dégâts de sanglier, voilà, on arrive là. Après, tout à l'heure, on disait aussi il y a une question de quelqu'un qui posait des questions pour les comptages dans des tournesols, par exemple. On peut faire des comptages dans des tournesols et comme ça, on regarde le nombre de pieds au mètre carré, dans une zone pas touchée, et dans une zone touchée, on peut regarder ce même nombre de pieds au mètre carré, et il y a une partie qui est couchée par les sangliers, et après on fait les zones touchées, bah il y a peut-être 80% de pieds qui sont debout, et les zones non touchées 100%. C'est des méthodes où on peut là. Après chacun, j'avais discuté hier avec Louis, après Louis j'ai envoyé un message à Alan, ce serait bien une fois dans l'année de se rencontrer tous les étudiants d'ExoExpert du Bouchat. Qui se rend compte parce que chacun a son astuce. Moi, j'ai des astuces que là, je vous partage pas parce qu'elles ne viennent pas à l'idée, mais vous en avez aussi. Et ce serait, voilà, se les partager, on avancerait encore plus avec l'outil. C'est l'idée. Ça, c'est des choses qu'on fait déjà beaucoup avec les experts fonciers, parce qu'on a une grosse communauté d'utilisateurs d'experts fonciers. Donc, tous les ans, tous les 6 mois même, on fait une réunion avec tous les experts qui sont utilisateurs et qui veulent venir pour échanger sur la journée. Et là, les faits des chasses, comme je te dis, comme on a de plus en plus de faits des chasses qui commencent à s'équiper, notamment avec la signature du décret qui a eu l'année dernière, et ben, ça commence à bouger un petit peu plus. Et comme on va avoir de plus en plus d'utilisateurs, oui, là, c'est prévu qu'en fin d'année, pendant la période morte, on fasse une ou deux journées bien conviviales. Que les gens puissent se rencontrer, que les gens parlent de leurs problèmes, de leurs limites. Nous, ça nous permet d'améliorer aussi l'outil en continu. Et les gens peuvent s'échanger leurs astuces sur Et l'utilisation du drone. exactement, et si on pouvait avoir, et ben là, toutes les personnes qui ont participé et toutes les personnes dans les FED qui ont ExoExpert
les coordonnées. Chacun s'échange les coordonnées. Si des fois on a des questions, des choses comme ça peut être aussi intéressant de t'appeler ou de voilà, d'échanger sur certains points, quoi. Parce que tiens, là, ça bloque. Est-ce que tu as. Voilà, et comment tu ferais ça? Comment tu. Voilà. Et je pense qu'on avancerait encore plus vite et pour faire progresser l'outil et pour nous faire progresser, nous, sur le terrain. Même si, entre guillemets, avec l'expérience, voilà. Mais moi, j'ai encore des choses à apprendre. Il y a des choses que je fais pas que je pourrais faire. Ça, c'est sûr. Et juste, voilà. Et Bon bah ça nous super. permet. Merci beaucoup en tout cas Yannick pour ton témoignage, c'était très intéressant. Ouais. Bah, s'il y a des questions qui restent, bah, Alexandra, je te laisse nous les relayer. Sinon, je vous laisserai le CFAD vous présenter aussi son déformation, votre histoire. Oui, merci beaucoup Alain et Yannick, hein, c'était très intéressant d'avoir votre retour effectivement, et y compris pour nos formateurs, c'est intéressant d'avoir vraiment votre retour. Donc il n'y avait pas spécialement de questions sur les témoignages, il y a une question sur les coûts de formation, mais du coup on va y répondre juste après. Donc je vous propose que Christopher commence le défilement du slide sur la présentation du CFAD et on va parler un petit peu de tout ça. Ça arrive. Voilà, donc le CFAD, alors certains nous connaissent déjà, puisqu'on a déjà quelques personnes parmi les présents qui ont été formés chez nous. Donc le centre a 10 ans cette année, hein, il a été créé Il en reste à quelle 2014. parcelle, monsieur Dreyer? Celle-là? Là, il n'y a pas de dégâts. Tu peux essayer Ah quand mince, même. pardon. Ah, il faut J'ai couper coupé le Yannick. son de Yannick, pardon. Excusez-moi, je m'en occupe. Il y a celle-là là, et après, de toute façon, on y va par là, celle-là. Il est où là? Et si elle n'est pas, on peut aller par là-haut. Pas non Il plus. est On là. va le trouver. Ah non, il a. Ah, si, si, c'était ça, non? C'est coupé. C'est bon, je l'ai désactivé, Christopher. Merci. Décidément, un homme de terrain, vraiment. Bah c'est ça va, il y en a qui bossent. Hein. Voilà, excusez-nous. Donc le centre a 10 ans, il a été créé à Nancy en 2014. Moi, je l'ai repris en 2019. Et on a mis en place depuis 2019 des formations hybrides. Donc ce qu'on appelle hybride, c'est à la fois en distanciel et en présentiel. Donc ça permet aussi, bah, justement, pour les gens de terrain qui n'ont pas toujours le temps pour toute la partie théorique et une bonne partie de simulation ou autre, de travailler, de commencer le boulot avant même de nous rejoindre. Donc évidemment aujourd'hui on a une équipe donc on a une équipe de permanents de 5 personnes. On a en tout après on monte à peu près une dizaine avec les formateurs externes. On a deux formateurs qui sont eux à temps plein au sein du centre. La gamme de produits qu'on utilise donc pour ExoExpert effectivement hein, on va être plutôt sur du Mavic 3 ou sur du R2S. Nous, on va vraiment aller vraiment sur toute cette gamme-là, évidemment. On va même aller sur des machines encore un peu plus petites, comme sur des mini, voire même jusqu'à de l'Inspire. Et on parlera tout à l'heure de la nouvelle réglementation européenne, dans laquelle, effectivement, on a déjà toutes les, comment dire, toutes les validations pour pouvoir les effectuer. En termes de financement, ben, le centre est Calliope, donc déjà, ça nous donne une certification en termes de qualité de gestion des dossiers, mais également donc ça nous permet tout ce qui est OPCO hein, par rapport au financement de vos formations. Donc ça évidemment le centre est comment dire est qualifié pour ça. Et on a également la possibilité d'avoir des formations finançables par le CPF. Voilà, aujourd'hui on a deux grandes familles qui sont finançables par le CPF. On se trouve également donc le centre est historiquement il est basé à Nancy. On a, voilà, rue des Jardiniers en face du lycée Loritz. Pour certains, ça parle beaucoup quand on est dans la technique. Donc, le centre, l'aire de vol, elle est à Tomblaine depuis 10 ans. Sinon, on a également ouvert à Metz, à Dijon, à Saint-Dié-des-Vosges, à Remiremont, excusez-moi, je suis dans le désordre, et à Dieppe, voilà, en Normandie. Donc, on couvre vraiment le grand quart nord-est. Là, on doit revenir prochainement du côté de Reims et on va partir un petit peu vers l'Alsace, on espère, fin 2024, on espère y arriver en termes de travail. Voilà. En termes de formation, donc aujourd'hui, pour devenir télépilote, il y a deux éléments, comment dire, il y a deux éléments importants. Il y a toujours une partie théorique et une partie pratique.
Alors, en ce qui concerne, je vais plutôt rester orienté vers la partie, comment dire, agriculture-chasse. Donc, on est plutôt sur quelque chose, on n'est pas sur une formation trop complexe, d'accord, mais qui demande quand même un minimum d'investissement si on veut le faire dans les bonnes règles et en sécurité. Parce qu'un drone à 120 mètres, évidemment, vous n'êtes pas techniquement, vous n'allez pas rencontrer un Boeing 747. Mais un drone à 120 mètres à proximité d'une base aérienne militaire comme nous, on peut en avoir beaucoup dans l'Est, je peux vous dire que vous pouvez vous faire vite peur. Donc c'est ça l'idée de ces formations-là. C'est-à-dire qu'au-delà, évidemment, de l'usage du drone, tout à l'heure, Louis disait qu'effectivement, aujourd'hui, piloter un drone, ce n'est pas extrêmement complexe, mais c'est plutôt la mise en sécurité et plutôt la gestion de l'espace et le partage de l'espace aérien avec les autres utilisateurs sur lesquels on va beaucoup axer la chose. Et aussi, on va axer pour la partie pratique, évidemment, le côté vol automatique, parce que même si, comment dire, ça se programme relativement facilement, en cas de perte de liaison, en cas d'incident, il est quand même bon de pouvoir, ramener son drone. Voilà, parce qu'on se retrouve quand même rapidement. On se retrouve quand même assez rapidement avec des machines qui peuvent coûter plusieurs milliers d'euros. Évidemment, un R2S, hein, ça va être aux alentours de 1000 euros. Un Mavic 3 multispectral, on va vite être à 4, 5, 6 000 euros en fonction des accessoires. Donc, on va essayer de le ramener en vie après chaque vol. Hein, c'est ça le but. Donc voilà, donc nous, on va pouvoir vous proposer effectivement tous ces éléments. Derrière, on a évidemment les spécialisations qui vont arriver en plus, donc les spécialisations audiovisuelles, assurance, démoussage, le BTP, ça c'est également un de nos grands domaines, et évidemment tout le domaine de l'agriculture chasse. Alors je vais vous en parler aussi après, pardon, excusez-moi. Pour ce qui est effectivement ce que je vous disais, voilà, pour la sécurité, la réglementation aérienne, on va plutôt travailler effectivement, donc ça c'est les bases de connaissances complète pour être télépilote, pour pouvoir voler dans toutes les conditions. Si vous devez voler, juste dans des champs ou au-dessus de forêt ou autre, on n'aura pas tous ces éléments-là, mais on aura quand même une partie de la réglementation, la connaissance des aéronefs et la météorologie à prendre en ligne de compte, ainsi que les principes et la mécanique de vol qui sont quand même importantes. Au niveau de l'offre de formation, toujours, donc on prépare les examens théoriques, comme je vous disais, soit en présentiel, soit en visioconférence, ou alors on a également une possibilité qui est alors, 100% distancielle, ou presque, puisque enfin, elle est 100% distancielle, mais on vous laisse pas tout seul avec vos cours, c'est-à-dire que vous avez des blocs de compétences à travailler au fil de la semaine, et ensuite vous avez toujours un rendez-vous avec un formateur, c'est-à-dire que quelle que soit la formule, on vous laissera pas tout seul pour vous débrouiller. L'objectif, c'est de vous accompagner, l'objectif, c'est de vous emmener vers les examens. Pour la partie pratique, évidemment, c'est ce que je vous disais, le plus complexe, hein, comme disait lui tout à l'heure, c'est pas tellement le pilotage du drone. Voilà, c'est plutôt la préparation de l'opération. C'est bien sûr que là où on va voler, on n'est pas au milieu d'une zone dangereuse. La préparation du vol en lui-même, là, ça va être plutôt la partie technique, et calculer ses hauteurs, enfin préparer ses limiteurs de distance, ce genre de choses. Les vols en conditions normales, ben là, c'est quand tout se passe bien. Le vol en conditions anormales, ça peut être une panne électronique, une panne mécanique. Donc, on va essayer d'analyser toutes ces choses-là afin de vous amener en sécurité. Et évidemment, tout ce qui est briefing, débriefing et les retours d'information. Je passe assez rapidement là-dessus parce que bon, c'est pas non plus... si vous avez vraiment des questions précises là-dessus, on reste à votre disposition et on analysera un petit peu au cas par cas chaque personne, parce que chaque dossier est unique, mais presque en termes de besoins et en termes de moyens et de résultats. Pardon, excusez-moi. Alors, les formations... Pareil, elles vont aller de 19h à 35h pour ce qui est du standard. Et les formations certifiantes, elles vont de 19h à 54h. Donc en plus, l'avantage, c'est qu'on est quand même formé relativement rapidement, quoi. Ça ne va pas vous prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois pour pouvoir être opérationnel, que ce soit sur la partie
sur la partie pilotage pur que sur la partie même logiciel ExoExpert. Hein. On vous a proposé des, comment dire, au niveau des spécialisations, vous voyez, on va être entre 7 et 14 heures. On peut aller un petit peu au-delà de 14 heures, vraiment, s'il y a un gros besoin. Alors, c'est ce qu'on peut y rajouter, là, on ne l'a pas mis dans cette slide-là, mais aujourd'hui, on intègre, tout à l'heure, on en parlait en ouverture, sur la protection des animaux avant les récoltes ou autres, justement, avec l'imagerie thermique. Et évidemment, donc, si on rajoute un peu d'imagerie thermique, on va rajouter quelques heures de formation à cette formation agriculture-chasse. Voilà. Donc, on fait du démoussage, de l'imager. Donc, vous voyez, on reste dans des choses en termes de délai assez acceptables. Et on vous a fait une proposition donc, en termes de formation pure sur l'offre agri-chasse. Donc, si vous êtes déjà télépilote, eh bien, on se contentera, entre guillemets, juste de la partie spécialisation de jour, c'est-à-dire le logiciel ExoExpert, évidemment, un petit peu de, comment dire, de multispectral, et un petit peu de modélisation 3D pour pouvoir comprendre également comment tout ça fonctionne. Vous voyez, on est sur un forfait assez simple. Et sinon, si vous n'êtes pas encore télépilote, on va être sur 4 jours et demi de formation. Donc ça, c'est le minimum. Hein. Après, on peut en mettre un petit peu plus si vous ne vous sentez pas à l'aise, évidemment. Mais au minimum, on va être sur 4 jours et demi. Donc 2 jours et demi de théorie et de pratique pure. Et ensuite, on a les 2 jours de spécialisation qu'on retrouve. Et là, on vous a fait un package complet avec donc la partie vol et la partie spécialisation. Et Alexandra me fait remarquer que j'ai oublié de vous parler que effectivement, si vous êtes déjà télépilote et que vous n'avez besoin que de la partie ExoExpert, on a une formation évidemment sur une journée pleine avec uniquement ExoExpert. Pareil, on est sur des choses modulables, c'est-à-dire que s'il y a des besoins plus importants en termes de formation, pour aller plus loin, on peut, on peut rajouter des modules aux besoins. Là, on est sur les bases qui pourraient vous servir au quotidien. Voilà. Et ben voilà, j'ai à peu près fait le tour. Je ne sais pas si vous avez une question. Alors, il y avait une question sur les tarifs. Là, pour le moment, on y a répondu au moins partiellement, puisque voilà, ce sont un peu les offres très spécifiques. Et comme disait Christopher, on reste à votre écoute si vous avez des besoins plus spécifiques, voilà. Plus personnels à demander. Il y a une question qui disait pour la nouvelle législation européenne. Ouais. Donc, oui, en tout cas, voilà, hein, c'est effectivement nos formations. Ah bah oui, évidemment qu'aujourd'hui, de toute façon, depuis le 1er janvier, si vous n'étiez pas encore télépilote, dans tous les cas, vous êtes obligé de passer en réglementation européenne. Donc aujourd'hui, toutes nos formations, que ce soit pour la partie open ou même la partie STS, donc là où vous pouvez intervenir en ville ou en hors-vue sur longue distance, aujourd'hui, nos formations sont validées et sont compatibles avec la réglementation européenne. Et si vous êtes déjà télépilote et que vous avez besoin d'un recyclage ou en tout cas une mise à jour par rapport à cette nouvelle réglementation européenne, alors je vais être très honnête avec vous, l'offre, elle est dans nos cartons. On est en train de la finaliser, mais dans tous les cas, on va proposer effectivement pour les télépilotes dans les semaines, enfin voilà, d'ici la fin du mois, pour les gens qui sont déjà télépilotes, une mise à jour qui ne sera pas, pour ne pas vous obliger à tout refaire. Voilà. Mise à jour à la fois réglementation pour ceux qui ont besoin, et puis on sait que les anciens télépilotes vont avoir aussi besoin de repasser un examen. D'ici 2 ans, de toute façon, tous les anciens titres CATT ne seront plus valides à compter du 31 décembre 2025. Donc, dans tous les cas, il faudra se mettre à jour sur les titres européens avant le 1er janvier 2026. Ça, c'est sûr. Un peu théorique comme pratique, évidemment. Alors ensuite, là, la réglementation, elle continue d'évoluer un petit peu. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'est pas, pour les anciens télépilotes, on n'est pas entre guillemets énervé à vous faire passer les nouveaux titres européens, parce que comme il y a des choses qui évoluent, par exemple aujourd'hui sur l'Open A2 en France, il est interdit en agglomération. Il y avait des bruits de couloir comme quoi il serait autorisé.
l'État vient de repousser, enfin s'est donné une clause de revoyure en fait sur l'après JO. Donc on verra en fin 2024, on verra quels sont réellement pour les anciens. Je parle bien pour les anciens télépilotes. On verra fin 2024 quelle est la bonne solution à prendre quoi. Voilà. Pour l'instant, c'est un petit peu comment dire. Je pense qu'il faut un petit peu attendre. Voilà. Pour les anciens, pour les nouveaux télépilotes, vous rentrez dans le nouveau process européen, et là, il n'y a aucun problème là-dessus. Surtout, je vous dis, bon, surtout si c'est pour faire pour les fédérations de chasse, comment dire, tout ce qui est forêt et autres, là, vous êtes dans des formations open à 1, à 2, à 3, qui ont déjà, malgré tout, quelques années de vie, et sur lesquelles elles sont bien maîtrisées, et sur lesquelles il y a peu de changements, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas ce qui bouge le plus. Voilà. Alors, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est tout pour les questions sur les formations. Alors, si on a une question donc, qui dit comment contractualiser, avez-vous une documentation? Oui. Donc déjà, on peut prendre votre contact là. Et sinon, Monsieur Lebel, je crois, sinon, simplement, vous nous appelez. On évalue avec vous votre besoin et on vous répond, on vous fait les devis, les programmes de formation, etc. Et on contractualise tout ça de façon très, très experte, on va dire, et très sérieuse. Voilà. Ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'on fait des tarifs dégressifs, pas régressifs malheureusement, dégressifs, à partir de 3 personnes. Donc voilà, on en tiendra compte et ça, on ne peut pas... voilà, on peut que si on vous a directement en discuter avec vous. Tout comme je précise également, voilà, sur des groupes de plusieurs personnes, nous on peut se déplacer chez vous. Après voilà, il faut qu'on ait une salle pour la partie théorique. Et après, bah, je pense qu'en Fédéchasse ou autre, vous avez la possibilité d'avoir des aires de vol assez facilement, en tout cas des zones de vol dans lesquelles on peut travailler pour s'entraîner. Donc ça là-dessus, on peut évidemment nous se déplacer. C'est plus facile de déplacer un formateur, des fois, que six personnes d'une équipe, si ça peut être fait en même temps. Donc voilà, donc ça, n'hésitez pas, ayez-le en tête. Sur des groupes, on peut évidemment se déplacer, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, je regarde, j'ai pas l'impression que... j'ai l'impression que c'est tout pour le moment sur les questions de formation. Il y avait encore des questions techniques. Alors, comment faire pour estimer, alors, d'après ce que j'ai compris, sur une plantation de tournesol, des dégâts de cervidés qui consomment des capitules mais qui n'ont pas cassé les pieds, Tout à fait. Justement, j'allais... alors, est-ce que Yannick s'est reconnecté? Parce qu'il y avait plusieurs questions, notamment sur les économies, sur coûts humains, etc. Est-ce qu'il s'est reconnecté ou pas? Je ne le vois plus. J'avais mis, il était tout en haut de la liste dans les autres. Et ouais. Je ne le vois plus. Il s'est déconnecté malheureusement. Ouais, il n'est plus là. Ah, mince. Je suis en train de vérifier dans la liste. Non, il n'est plus là. Bon, il n'est plus là. Du coup, effectivement, bah, pour reprendre, alors j'ai donné quelques informations, il m'a envoyé des SMS en parallèle. Donc sur l'économie, effectivement, côté FED, déjà pour la première grosse économie, c'est le coût humain. Il a donné quelques exemples mécaniques. En gros, eux, sur à peu près 200-300 dossiers qu'ils faisaient la première année, où vraiment ils ont commencé à utiliser, donc en 2020, c'était une économie à peu près de 25 000 euros sur le coût humain qu'ils faisaient. Cette année, on sera plutôt aux alentours de 50 000 euros sur le coût humain avec 700 dossiers drones, et il prévoit du coup en objectif l'année prochaine plutôt de faire des économies de l'ordre de 80 000 euros sur le coût humain. Et ça, c'est seulement sur le coût humain, parce qu'après, les biais d'estimation, donc notamment souvent ce qui peut arriver, c'est dans les cas difficiles, qu'on en est sur des dossiers assez difficiles, parce que voilà, l'exploitant est très pointueux, il y a un passif qui n'est pas toujours au beau fixe avec l'exploitant. Souvent, en fait, il y a un biais humain qui intervient, c'est que l'estimateur a toujours tendance à surestimer l'expertise, et ça s'est vu nombreuses fois sur de nombreux dossiers où en moyenne, le gars va mettre 20-30%, parce qu'il sait que comme ça, l'exploitant ne va pas envoyer le dossier en juridique. Pour faire simple, là quand on arrive avec la cartographie drone, ça permet de dire bah, qu'est-ce qu'il y a exactement, de ne pas le surestimer et surtout pacifier la relation avec l'exploitant. Il comprend pourquoi on a sorti ce chiffre-là, ces chiffres-là. Et dommage qu'Yannick ne se reconnecte pas, mais il pourrait témoigner sur
le nombre de dossiers qui est parti en juridique baisse fortement quand il y a un usage du drone. En fait, le sujet de litige, il n'existe quasi plus dans beaucoup de cas, sauf du coup pour rebondir sur le cas qui nous a expliqué, qui était présenté sur les capitules. Alors, autant quand on a des dégâts de cervidés, quand on a les capitules qui sont endommagées, mais pas la plante en tournesol, ça va bien se voir. Mais en toute transparence, pour aller un peu plus loin, c'est plus sur le maïs que c'est difficile quand on a, quand on a les épis qui sont prélevés, mais que le pied n'est pas cassé. Parce que autant le tournesol, le capitule est sur, on va dire, sur le haut de la culture, donc on le voit, autant c'est pas vrai pour l'épi de maïs. Et donc par contre c'est plus gênant, là on est quasi obligé d'aller sur le terrain, au moins sur la parcelle, pour vraiment se rendre compte de qu'est-ce qui a été bouffé ou pas, parce que ça sur la cartographie on le voit pas. Donc ça c'est typiquement un usage sur lequel il faut faire attention et qu'il faut privilégier quand même un passage dans la parcelle. Par contre de faire un vol, ça permettra de voir s'il n'y a pas d'autres dégâts, s'il n'y a pas de prélèvement, mais c'est-à-dire voilà, plus des plans cassés, des choses comme ça, ou les coulées au sein de la culture, ça on les voit bien. Quand on a des coulées typiquement de gibier, souvent on prend l'outil mesure et on va venir mesurer en mètres linéaires la totalité de tous les chemins qu'on voit sur la cartographie et ensuite on multiplie par une largeur de passage de l'animal. Donc soit un demi-mètre, soit un mètre entier, souvent. Mais effectivement, sur tournesol, c'est pas trop gênant, ça se voit bien sur la carte, mais autant par contre sur maïs, quand il y a dégâts de cervidés et prélèvement des épis de maïs sans casser le pied, là effectivement, on voit quasi rien sur la cartographie. Donc effectivement, là, il faut bien aller sur le terrain, bien faire son expertise classique. Là, le drone aura peu d'avantages si ce n'est montrer d'autres dégâts qu'il pourrait y avoir sur la parcelle. Alors je vois que j'ai une notification. Je comprends mieux le niveau d'économie. 3200, c'est non. Pour comparaison, les Ardennes, c'est 350 dossiers pour les suds de 250 hectares. Effectivement, sur la partie en Moselle, ils ont énormément de dossiers qu'ils font. Après, voilà, c'est tout dépend le volume. On travaille avec des fédés de chasse qui font moins de dossiers également, notamment dans le sud-ouest. Bah, voilà, c'est, moi, j'ai souvent le cas voilà, d'un maïs de pivot côte à côte, 150 hectares. 150 hectares, c'est 400 personnes sur une journée. En drone, c'est une personne pendant 4 heures. Quoi. Et à la fin, on rend le rapport d'expertise. Ça, c'est hyper important. En végétation comme 2023, très difficile. Je rebondis du coup. Tout à fait. Il y avait encore une question, excuse-moi, sur un peu technique. Est-ce que le comptage forestier est envisagé ? Alors, le comptage forestier, aujourd'hui, l'application est un petit peu utilisée en forêt. Donc, soit pour faire du suivi de travaux, soit pour la détection des arbres secs, donc par exemple les arbres qui sont scolités, par exemple. On a des arbres qui sèchent d'abord par le haut avant de sécher par le bas. Ça se voit très bien sur la cartographie, par exemple. Donc là, de la même manière, le comptage de ces arbres-là, bah, effectivement, c'est faisable dans le sens où l'arbre, du coup, est discernable de par sa couleur et de par sa forme quand il est blanc et qu'à côté, on a des arbres verts. En revanche, si on a un champ, si on a 3 hectares d'arbres qui sont tout blancs, là, pour le coup, on ne les comptera plus. Ils vont tous se chevaucher. Dans tous les cas, après, sur arbre, ce qui est utilisé en forêt, c'est aussi le pointage. C'est-à-dire que sur l'application, on peut pointer certains arbres pour identifier les positions GPS de ces arbres. Comme ça, ça permet à la fin du vol, de pouvoir donner un fichier de toutes les positions GPS des arbres typiquement à couper. Donc, c'est ce qu'on ferait en martelage à pied. Et après, on envoie cet ensemble de positions GPS au technicien qui a passé dans la parcelle. Et puis, voilà, couper les arbres ou les marteler ou autre, typiquement. Et du coup, pour répondre, effectivement, 3000 dossiers. Donc là, je vois qu'on prend comment des Ardennes, c'est 350 dossiers. Bah, justement, ce qui est hyper intéressant, c'est 350 dossiers, il y a quasi tout qui pourrait passer par drone pour un télépilote facilement. Voilà, de titre indicatif, quoi. Enfin, à peu près 700 dossiers, ils ont besoin de 2 télépilotes, la FED en Moselle, par exemple. Donc après, voilà, ils vont monter en surface. Donc, après, ça dépend aussi de l'étendue du secteur, mais... D'accord, on n'a pas précisé, mais le drone, il faut savoir que quand on l'envoie voler, on peut l'envoyer jusqu'à 1 km de nous. Voilà, quand on se place bien, voilà, on arrive aussi à enchaîner les parcelles assez rapidement aussi. J'ai une petite question encore, mais ce n'est pas une vraie question. Il y a Claude Courvoisier qui dit la reprise de plantation. Donc je ne sais pas, Claude, si vous voulez prendre. Ah oui, tout à fait, oui. Ah oui, bah, peut-être oui, pour préciser, oui. Oui, c'est ça, une plantation, du fait qu'on a rasé énormément de surface d'épicéa ces dernières années. Actuellement, on est dans la phase reboisement et on doit se farder des hectares en comptage de reprise au printemps. Et donc, l'idée du plantule de melon ou autre, je me dis qu'on pourrait faire la même chose sur du plan forestier.
Tout à fait. Alors, du coup, si je comprends bien, c'est notamment quand on a des jeunes arbres, c'est ça? Oui, Pour absolument. savoir Parce qu'il y quelle a est un la an, reprise. absolument, ouais, c'est ça. De quelques mois Tout à même. fait. Alors, Ouais, tout à fait. Bah... on a des gestionnaires forestiers et des experts forestiers qui utilisent le drone pour ça. Alors, on a remarqué par contre les limites de l'utilisation d'ExoExpert sur ces cas-là, c'est que si le salissement est trop important et que l'arbre est trop jeune, donc pour des arbres qui ont 3-4 ans, ils sont trop petits, et malheureusement, ils sont trop, ils n'arrivent pas à se distinguer du salissement qui est autour d'eux. Mais par contre, pour des arbres plus vieux de 5 à 10 ans, là, il n'y a aucun souci pour les compter. Et d'ailleurs, tous les résineux, à partir de 5 ans, on peut les compter de façon quasi automatique avec l'outil comptage que j'ai présenté tout à l'heure. Comme ils se distinguent les uns des autres et qu'ils se recoupent assez peu, en fait, on peut compter soit la cime de l'arbre, soit encore mieux, des fois, c'est de compter l'ombre. C'est-à-dire que chaque arbre fait une ombre portée et le logiciel, il va compter toutes les ombres, donc il va retrouver le nombre d'arbres sur une surface donnée. Ok. Il y avait encore une question sur la formation. On nous demande si la pratique est obligatoire pour le certificat final, donc en tout cas pour devenir télépilote de drone. Alors, oui et non. C'est une bonne réponse de Normand depuis qu'on a un centre en Normandie. On a appris à répondre comme ça. Non, je dis oui et non, puisqu'en fait, aujourd'hui, la législation en catégorie open autorise pour la partie pratique l'auto-formation, soyons très clairs. Par contre, en auto-formation, il vous sera quand même demandé comment dire, la liste. Des éléments à fournir en auto-formation est quand même relativement importante et comment dire est notable. Et surtout, même si vous faites le système en auto-formation, on va vous demander ensuite en cas de contrôle, la DGAC va vous demander la preuve de ce que vous avez mis dans votre auto-formation. Et c'est là que ça se complique, et c'est là aujourd'hui où on conseillera quand même encore malgré tout de venir voir un centre de formation qui vous permettra effectivement de, comment dire, de valider les différents éléments, quoi. Mais techniquement, effectivement, la formation pratique n'est pas une obligation. En open, je parle bien, attention, hein. Je parle en catégorie open. Par contre, dès qu'on va passer dans les catégories supérieures, à savoir STS, là, pour le coup, la formation sera obligatoire. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Bah du côté du chat, il n'y a plus de questions. Est-ce que je vous propose que s'il y a des questions en direct, vous pouvez peut-être intervenir directement en libérant votre micro. Ah, attendez, alors juste, il y a Corinne qui demandait en tant que pilote, je suis obligé de faire un autre examen dans 2 ans où je peux continuer en open. Ça dépend. Dans tous les cas, votre open, vous êtes quoi en open à 1, à 3, à 2, les 3? Alors, on voit que vous dites oui, mais on ne sait pas à quoi, Corinne. On ne vous entend pas. Alors, montrez-nous avec Voilà, vos c'est bon. doigts. Ah, ça y est, on Oui, dit oui. merci. À 3, oui. 1, 3, donc votre 1, 3, il est valable 5 ans, donc il sera Enfin, valable. S1, S3, c'est hein. Ah, c'est S1, S3. Ah non, donc là, non, alors là, pour le coup, si vous, en S1, S3, là, c'est la catégorie standard nationale, là, vous allez être obligé de repasser, si c'est S1, S3, vous serez obligé de repasser effectivement avant le 1er janvier 2026, soit effectivement la catégorie Open à 1, à 2, à 3. Soit ce qui remplace le S1, enfin plutôt le S2, S3 aujourd'hui, hein, puisque le S1 c'est un peu le A3, donc soit repasser aujourd'hui comment dire, le CATS, le nouvel examen. Voilà. C'est Qui dans tous les cas compliqué. n'est plus acquis à vie. Pareil, et de toute façon, il faudra le repasser tous les 5 ans, quoi qu'il en soit. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. Oui, Ça là-dessus, devient ils ont. compliqué. Ouais, Merci. c'est assez. Ouais, non, là, ils ont fait une belle usine à gaz. Après, vraiment, je vous dis, à voir par rapport à votre exploitation actuellement, je vous dis, voilà, attendez vraiment de voir les mois qui arrivent, Ouais. parce que le Open A2 peut peut-être suffire. Après, tout dépend du type de drone que vous utilisez, mais si ça se trouve, comment dire, d'ici la fin de l'année, l'Open A2 sera à nouveau autorisé, comment dire, en agglomération, et il vous remplacera votre S3. Mais par contre, vous serez limité, pas de vol de nuit, pas de vol avec un drone de plus de 4 kilos. Enfin voilà, il y aura des choses,
y a des limitations quand même, mais pour 80% de l'activité, j'ai envie de dire, ça pourrait ouais. suffire. Et l'examen Open A2 est quand même beaucoup plus léger que l'examen CAPS, soyons clairs. Il faudra que le drone soit classé CE. Et par contre, oui, par contre, vos drones devront être de classe. Ça, ce sera une obligation aussi, j'ai oublié de le dire. Les drones devront être quoi, pardon ? Ils devront être classés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, je ne sais pas ce que vous avez comme drone. Un Mavic 2 Pro, un Phantom et un Mini. Ouais, donc ceux-ci, malheureusement, ils n'auront pas de notion de classe. Donc, à partir de 2026, vous serez dans l'obligation de les utiliser. Enfin, vous ne pourrez plus les utiliser. Qu'en A3, donc moins de 150 mètres d'habitation, des personnes et autres. Quoi. Okay. Il faudra réinvestir dans des drones classés. Voilà, parce qu'en fait, ils ont. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est bon, d'ici deux ans, je pense qu'ils seront morts. Ah. En tout cas, si vous avez des investissements, si vous avez des changements de drones à faire prochainement, surtout faites bien attention à racheter des drones de classe pour la suite. Quoi. Voilà, c'est des fois. En ce moment, il y a beaucoup de bonnes affaires à faire en occasion, mais c'est des bonnes affaires qui ne vont pas durer longtemps. Donc oui. Voilà, faire attention à ça. Ouais, ok, merci. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Est-ce que quelqu'un mais en les... Oui, oui, il y en a encore une petite. Les drones classés, du coup, on voit où que c'est des drones classés? Genre le Mavic, le 3 Pro? C'est un drone déjà classé ou pas? Mavic 3 Pro, oui, tout à fait, il est classé. Alors en fait, il y a une liste qui a été mise en place par l'EASA, donc l'organisme européen, mais elle n'est pas très à jour. Sinon, vous avez la liste Studio également. Sport Comment? Studio Sport, peut-être? Studio Sport, ils sauront vous répondre. Mais ouais. Toute la gamme Mavic 3, la gamme Mavic 3 Enterprise est classée C2 actuellement, dont le Mavic 3 Pro. Voilà. D'accord. Voilà, okay, là, vous êtes, voilà. Monsieur Arouf, vous vouliez poser une question. On vous entend pas? Oui, vous m'entendez? Salut. Oui. Oui, parce que j'étais en train d'écrire sur le chat de groupe. Donc voilà, moi, ça fait 2 ans que j'ai passé mon CATT donc, avec vous, hein, en août, il va y avoir 2 ans. Et je vois actuellement sur un Mavic 1, ok, j'ai du Mini 2, voilà. Et aujourd'hui, ben, ils ne sont pas catégorisés. Mmh. Et donc, d'après ce que j'ai cru comprendre, DJI ne prendra pas la peine de les classer. Non. Donc, c'est pour ça que j'ai investi l'année dernière sur un Mavic 3, notamment. Maintenant, qu'en est-il de mon Mini 2 et de mon Mavic 1? Parce qu'ils volent très bien. J'ai tout un stock de batteries qui ont à peine 30 cycles. Donc, dans 3 ans, par rapport à mon activité, ils seront toujours en état de fonctionner. Donc, qu'est-ce qui va en être, justement, de ça? Alors, ces machines-là ne seront. Alors, elles resteront utilisables, mais uniquement, en A3, donc loin de tout. Voilà, vous ne pourrez plus, à partir du 1er janvier 2026, toutes ces machines-là ne pourront plus voler en S3, quoi. Voilà, tout simplement, S2, S3, vous ne pourrez plus vous en servir. Voilà. Donc, en fait, il s'est amené à disparaître, ces drones-là, enfin, dans mon cas, pour une utilisation professionnelle, quoi. Sauf à faire des relevés de terrain... Faites avec ExoExpert au milieu des champs, là vous pourrez continuer à vous en servir. Bien sûr, mais bon, entre un Mavic 1 et Mini 2 et le Mavic 3 Pro que j'ai acquis, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. C'est sûr que là, il n'y a pas à discuter. Quoi. Ouais. On demande aussi si le Mini 3 Pro est classé. Le Mini 3 Pro, alors je sais plus. Excusez-moi, je regarde ma liste, hein, je ne l'ai plus en tête. Entre temps, pendant que Christopher regarde, Alain ou Louis, est-ce que vous voulez revenir? J'ai vu qu'il y avait pas mal d'échanges sur les gains. J'ai vu que vous répondiez. Donc, est-ce que vous voulez réintervenir sur les gains et les petits conseils qu'on nous donne à gauche à droite? Oui, vas-y. Ça a déjà été pas mal répondu par message. Donc sur les notions de gain, donc effectivement ça va dépendre des endroits, si c'est du gain en temps humain, du gain aussi en temps perdu et gagné après l'estimation, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de fois où l'arpentage amène beaucoup de discussions,
un peu des litiges. C'est dans ces moments-là aussi que la Fédé de chasse va pouvoir gagner du temps. Et après ça, je voulais rebondir aussi sur, parce que ça parle beaucoup de catégories S1, S2, S3, 1, A2, etc. J'aimerais rappeler juste que pour du vol en agricole, donc quand on dit loin de tout, c'est loin des tiers, comme dit Christopher Courtois, l'idée c'est qu'en agricole, on est loin des bâtiments, on est loin des regroupements de personnes, et donc on peut voler dans une catégorie qui ne nécessite pas d'avoir des drones de classe, même au-delà de 2026, qui est la catégorie ouverte, et qui est conditionnée par le fait de voler en vue directe du drone. Donc le drone, il peut aller jusqu'à 300, 400, 500 mètres. S'il y a un drone, il est noir sur un fond blanc, sur des nuages et qu'on a une assez bonne vue, mais on peut le garder en vue et on peut voler du coup dans des zones agricoles. Donc la question de la classe du drone n'est pas encore un problème pour voler en catégorie ouverte. Et le permis aussi CATS, qui est un petit peu plus lourd que la formation en catégorie ouverte, n'est pas non plus un sujet pour les gens qui vont voler dans des zones blanches. Alors attention, parce que ça, c'est uniquement dans des zones blanches, c'est-à-dire des zones sans réglementation aérienne ou en tout cas juste en dessous. C'est-à-dire que si on n'est pas loin de l'axe d'un aéroport, si ça se trouve, on va être réglementé à partir de 50 mètres, mais en dessous de ces 50 mètres, on pourra quand même voler en catégorie ouverte, c'est-à-dire sans drone de classe et en vue. Donc c'est pour ça que cette catégorie ouverte, en tout cas en agricole, est très intéressante parce qu'elle permet à beaucoup d'utilisateurs de voler en loisir et en professionnel. Il n'y a plus de distinction entre loisir et professionnel, il y a vraiment une distinction entre la zone est dangereuse ou pas dangereuse. Quand elle n'est pas dangereuse, c'est-à-dire loin des tiers et hors zone dangereuse, eh ben on peut voler avec une formation pratique 1 à 3 et de façon assez confiante sans se faire peur, quoi. Oui, mais du coup, n'importe quelle personne qui sait piloter peut faire le travail du télépilote après, Alors après, en bien parlant sûr. de zones où non peuplées, hein. Ah bah oui, il y a aucune, c'est l'expérience du télépilote qui va jouer, c'est aussi son organisation, sa façon de, tu peux encore déclarer des vols, hein. C'est-à-dire que la déclaration de vol n'est pas impossible, on peut se voler dans des zones réglementées en catégorie ouverte à partir du moment où on a obtenu le protocole d'accord avec la zone réglementée. Mais oui, la plus-value du télépilote, c'est pas forcément de faire voler son drone, c'est de savoir l'utiliser et de savoir exprimer les données qui vont ressortir. Oui, donc en fait, si je reprends votre principe, nous, sur un marché qui commence à devenir concurrentiel, ça sera plus les outils qui vont nous permettre de faire la différence et non pas le fait qu'on ait un joli papier dans les mains en disant on peut voler n'importe où, etc., etc. Au-delà des outils, je dirais même, c'est aussi votre l'intelligence que le télépilote aura à trouver, à faire exprimer son drone, parce qu'il n'y a pas forcément que l'outil qui va le permettre. Un drone seul, s'il est bien utilisé, peut déjà faire dire beaucoup de choses. Mais effectivement, le drone, il est entre guillemets maintenant très facile d'accès. Il coûte beaucoup moins cher que ce que ça pouvait être il y a certaines années. Il est très simple d'utilisation. Réglementairement, ça s'est débloqué en catégorie ouverte, surtout en agricole. Donc c'est clair que la différence d'un télépilote ne se fera pas sur juste savoir faire voler un drone. Le drone n'apporte pas d'affaires en lui-même, c'est plutôt ce qu'on va en faire de ce drone, quels outils on va utiliser, qu'est-ce qu'on va vouloir exprimer comme données à partir de ce drone-là. C'est là que le télépilote va faire sa plus-value. Et il va pouvoir s'intercaler, alors parce que je crois qu'il y a des télépilotes indépendants là, qui échangent pas mal depuis tout à l'heure. Votre place à vous dans le monde agricole, c'est aussi d'être en accompagnement des experts fonciers, des fédérations de chasse ou des agriculteurs, hein. Certains agriculteurs souhaitent un vol de drone. En plus de l'estimation à pied qu'a pu faire une fédé de chasse, et ça se comprend. Et à ce compte-là, ce sera l'agriculteur qui pourrait vous payer une prestation, ou les agriculteurs d'une commune qui des fois demandent à des télépilotes de faire des vols de drones, de faire des analyses pour avoir une vision un petit peu extérieure de ce que la fédération aurait pu trouver à pied si elle n'a pas de drone. Et des fois même des fédérations avec un drone confrontent des résultats qui ont été trouvés par drone par des télépilotes indépendants. Mais l'idée, de toute façon, ce n'est pas un problème, hein, c'est que tout le monde puisse apporter sa méthode et que les gens puissent s'entendre sur des données factuelles, puissent discuter, ouvrir la discussion et qu'il y ait une possibilité aussi qui ressorte de tout ça. Pour compléter le propos de Louis et pour rebondir sur la question de Philippe sur les RTBA, c'est là aussi où c'est important de continuer, même en open, parce que si vous faites la formation sur Alpha Tango Open 1 à 3, à aucun moment on va vous expliquer ce que c'est qu'un RTBA, à aucun moment on va vous expliquer ce que c'est qu'une zone P, RD et tous les sigles qu'on peut avoir. Et c'est là où nous, centre de formation, eh ben, on va insister là-dessus.
Voilà, c'est là où, quand on vous parlait tout à l'heure de préparation de mission, de préparation de vol, parce qu'effectivement, quelqu'un qui va ouvrir la carte géoportail loisir, aujourd'hui, bah, tout est rouge, alors qu'en réalité, il aura le droit de voler. Par contre, il aura le droit de voler, enfin, il a peut-être le droit de voler sous condition, et c'est ce qu'on va nous aussi vous apporter pour pouvoir effectivement vous expliquer dans quelles conditions vous pouvez aller. Et une RTBA aujourd'hui, bah, c'est pas spécialement 30 mètres ou 50 mètres ou 200 mètres. Non, une RTBA, c'est plus lié à ses horaires d'activation qu'à la hauteur dans laquelle on peut. Alors évidemment, il y a la hauteur à laquelle on peut voler dedans, mais les horaires d'activation restent quand même extrêmement importants à connaître et à faire attention. Et ça, c'est pas avec une formation de base Open 1 à 3 qu'on va vous l'apprendre. C'est pas les 10 slides d'Alpha Tango qui vont vous expliquer ça, et c'en est même un peu dangereux. Voilà, appelons un chat d'envoyer des gens au milieu des champs sans aucune formation. Mais bon, c'est la réglementation qui veut ça. Mais en tout cas, voilà, sachez que par rapport à ça, notre expertise, elle est là, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on mise vraiment, nous, notre travail, effectivement, sur l'explication de l'application et sur les applications métiers que vous allez pouvoir en faire, puisqu'aujourd'hui, comme vous disiez, n'importe qui peut aller acheter un drone et voler avec, il suffit qu'il s'inscrive sur Alpha Tango. Par contre, effectivement, l'expertise métier, ça c'est quelque chose, ça s'apprend, hein, voilà, il n'y a pas de secret, ça s'apprend, ça se découvre. Pareil, hein, je veux dire, aujourd'hui, vous êtes équipé de matériel, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire avec un Mavic Mini, vous avez du matériel informatique, vous avez des logiciels pour le faire. Le petit gars qui débarque sans avoir aucune connaissance de tout ça, ça va être quand même compliqué. Ben, nous, on le voit dans les entretiens, il y a des gens qui nous appellent en disant « Bonjour, je vais être tes pilotes de drone ». Une fois qu'on leur a dit ce que ça allait leur coûter, même hors formation, bon ben voilà, une fois qu'ils ont compris que c'était un vrai, que c'était un pilote de drone, c'est pas un métier, hein, en soi. C'est, excusez-moi de le dire comme ça, je devrais pas, mais voilà, c'est vraiment l'application, c'est vraiment ce que vous allez en faire qui va faire la différence, quoi. Et nous, on essaye de vous apporter ça, et avec Louis et Alan, de vous emmener vers de nouvelles aventures, tout simplement. Voilà. Bon, il est 16h. Je crois qu'il y a une dernière question. Ok, une dernière question. Après, je vous propose dans tous les cas que si vous avez encore des questions, vous pouvez nous les envoyer notamment par mail. Vous nous appelez, voilà. Et avant que tout le monde s'en aille, je voudrais juste vous dire qu'on va vous envoyer de toute façon un email avec le lien du replay. Donc vous pourrez regarder à nouveau et certaines personnes nous demander les slides qu'on a diffusés, donc vous les retrouverez dans le replay. Et on vous mettra évidemment les contacts, les nôtres, ceux d'ExoExpert. Donc comme ça, vous pourrez continuer les échanges individuellement si vous le souhaitez. Allez, Sébastien, la dernière question. Non, c'est pas une question, c'est juste pour rebondir par rapport à ce que vous disiez, par rapport au fait qu'aujourd'hui, tout le monde peut acheter un drone. C'est vrai qu'à 500, 600 euros, c'est un petit peu la folie, hein. Moi, je suis sur Reims, je vois sur des groupes de drones plus ou moins sérieux qu'on a dans le coin, tout le monde s'équipe. Et je pense que c'est une mauvaise... Comment je pourrais dire ? Je pense que c'est une mauvaise peur qu'on peut avoir, nous, en tant que télépilote de drone professionnel, parce que, comme vous dites, ce n'est pas un métier, c'est un outil. Je pense que d'ici 3-4 ans, de toute façon, la hype au niveau des drones grand public pour faire tout et n'importe quoi, ça va vite se calmer. Et que dans tous les cas de figure, de toute façon, une formation et puis surtout savoir utiliser les outils, c'est ce qui fera la différence entre la personne qui dit voilà, je mets 1000 euros de budget dans un drone avec une paire de logiciels ou un ordinateur pas cher à Leclerc. Et puis nous, en tant que professionnels, entre guillemets, on a mis plusieurs dizaines de milliers d'euros entre la formation de matériel, etc. etc. Hein, je pense que ça, c'est évident. À un moment donné, le client final, il saura le reconnaître et il saura voir la différence. Voilà. C'est clair. Parfait. Et ben, Alan ou Louis, vous vouliez conclure Moi, je voulais juste savoir si Christopher avait pu regarder pour le Mini 3 Pro. Il était 4 Alors, on a regardé avec Aurore le Mini 3 Pro. On n'est pas d'accord. C'est tellement bien fait qu'on n'est pas d'accord, donc on va revenir, on va le vérifier, comment dire, on va le vérifier. Moi j'ai une note de DJI qui me dit qu'effectivement il devrait être classé en A1, il aurait dû être classé en A1 fin janvier, début février. Visiblement ils ont pris du retard parce qu'elle ne le trouve toujours pas classé.
Donc, il faut qu'on le contrôle. Mais on avait un petit slide de DJI qui nous donnait qu'effectivement, il devrait être classé, mais pour l'instant, c'est encore pas le cas. Voilà. D'accord. Donc, dès qu'on a l'info, on vous la passe. D'accord, merci. De rien. Voilà. Eh bien, écoutez, si oui, Alan, si vous n'avez plus rien, je propose que... Alan, il m'a envoyé un SMS, il m'a dit qu'il n'avait plus Internet, donc il va mais c'est pas grave. Bon, bah, nous, c'était pour remercier tout le monde d'être venu aussi nombreux. Merci pour toutes les questions, c'était hyper pertinent. Bien sûr, on est toujours prêt à répondre à plus de questions. Vous avez nos contacts aussi, donc pour revenir vers nous, il n'y a pas de souci. Et alors, pour donner un petit peu de temporalité, ça c'est vrai qu'on ne l'a pas fait. Les formations, elles sont prêtes, elles sont quasiment prêtes, si je ne me trompe pas, chez le CFAD. Donc là, voilà, le matériel aussi, un iPad, ça peut arriver sous 2 jours, très rapidement, les iPads, ça arrive très vite. Les drones, c'est pareil, hein, sous 2 semaines, on peut vous équiper en drone. Donc en fait, ça pourrait aller assez vite. Pour ceux qui sont prêts à tester rapidement, donc c'est possible, même pour cette saison d'expertise qui commence tout juste. Et sinon, ce qui peut être aussi faisable, c'est... que des fédés de chasse ou les télépilotes qui le souhaitent peuvent se former cet été pour être prêts pour les dégâts de gibier, de sangliers dans maïs, qui sont aussi voilà, des dégâts qui sont parmi les plus importants, surtout dans la région dans laquelle est le CFAD. Et l'outil ExoExpert est extrêmement pertinent pour ce type d'utilisation. Donc, de se former en visant cet objectif-là temporel, ça peut être aussi très intéressant. La formation est finançable OPCO, si je ne me trompe pas, et CPF. Chez le CFAD, donc il y a des, voilà, il y a des options de financement qui existent. Voilà, on peut même faire passer, trouver le moyen de faire passer certains, en tout cas l'application ExoExpert dans ce oui, package. On le met dans des parcours en fait, donc, voilà. Donc effectivement en mettant la formation AgriChasse ou ExoExpert dans un parcours, on arrive à les faire prendre en charge par les OPCO ou, CFA, ou le CPF. Exactement. Et bon, on a des dates, on a des dates de formation sur avril et mai, même fin, non pas mars. Avril et mai, pardon. Voilà. Voilà, et merci. On va en mettre d'autres et on est en train de travailler sur le planning deuxième semestre. Donc voilà, n'hésitez pas, appelez-nous et on vous trouvera toujours de quoi vous former. Ne vous inquiétez pas. Et bien, parfait. Merci à tous. Merci. Très bonne fin de journée et encore merci d'avoir participé. Au plaisir. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.